parole à palais.com. Jeudi, c'est lundi 17 septembre 2018. Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend de quoi toi écoutez. Journal la méga matin pour matin lundi 17 septembre. Non? Nous espérons que tu passes un bon week-end. Accompagné Radio Méga, Radio Information. Et déjà, nous prenons passer une bonne semaine d'information avec Pigou Réseau Radio Haïtien, Radio Méga. Après, fin trapper dans mon avec Frère Sonny Etienne, émission Trompette Matinale. Kounia, c'est le moment pour nous informer nous sur divers points qui dominent l'actualité. Pendant le week-end, non? Combien c'est d'attaques députés qui étaient votés en faveur politique générale? Notez Jean-Henri Seyan, Romain Nessandi. Cassito, Kasséu, ça connaît Jackson, CDA Jean-PNH qui joint l'envoi au bloc Maglo en bras samedi 15 septembre passé. Hein? Inspecteur Kaito Kasséu, ça connaît Jackson, t'as discuté pour yon cause parking, yon rivé tiré sous l'ordre d'après porte-parole PNH là, Michelin et Louis Jeune. Après environ deux mois attente, pays a désormais gagné un nouveau premier ministre. Pendant le week-end, ça, Jean-Henri Seyan arrivé bénéficier confiance parlement haïtien. Vendredi 14 d'annoncer na ak samedi 15 dans chambre basse là, en déclaration politique générale, li nouveau premier ministre promet pour faire lumière sur dossier Petro-Caribéa, rivé organiser élection législative octobre 2019. Sans compter pile ak papa ket lot promesse pour y passer dans différents secteurs dans le pays, tant coup santé, éducation et la trier. Président Sénat République là, Joseph Lambert, félicité travail démocratique qui fait à travers séance ça dans Sénat République là. Côté contradiction, t'es traversé grand corps d'après sénateur sud-est là. L'idée tout sénateur au sorti satisfait, lui-même tout le deal prend le son. Après séance tête chargée que t'es faite 1er février passé, hein, les Petro-Caribéa t'es quitté Sénat pour l'aller prendre direction coup des comptes. Président Chambasta, Garibodo, bon côté pas, fait qu'on n'ait pas aucun député qui te prend l'argent. En bataille pour te voter en faveur déclaration politique générale la PM non. Député Delmata, bah, vous j'étais bien loin de vos plusieurs députés, t'es fait côté, yo acquisé, t'a fait jouer ta pouvoir, au lieu de faire travailler comme président Cham qui vit bas. Monde sans dimension, monde sans colonne vertébrale, c'est qualité ça yo seulement qui gagne dans parlement, c'est réaction tête chargée député Sinal Bertrand, qui t'a réagi après député au fin voté en faveur Jean-Henri Seyan. Député Ponsalia qui pat met de l'eau dans bouche li pour critiquer parlementaire yo li di kade ki kase bois population an. Bay rendez-vous deuxième lundi janvier 2019 kap vin la pour le bay gouvernement sa yon réponse. Pour majorité à lui-même, c'est satisfaction. Président bloc majorité à nos chambres député a. Député Jean-Wilson Hippolyte croit ses résultats en pile bataille au fait qu'il a cause. Pays a doté d'un premier ministre dans le moment ça. Député Léogan n'a fait croire vote ça montrer groupe majorité a. Rété soudé des deux pouvoirs. Faut que nous dit tous ces journées lundi à Jean-Henri Seyan a installé dans le palais national. Tout de suite après cérémonie ça, premier ministre l'a bien pour rentrer en fonction dans tête primature. En pile coup de zam chanté on le fois encore dans Matissan, nous apprendre d'agé blessé après bandit armé t'a l'ouvri coup de zam son petit bus qui a sié trajet dans zone ça. ABC refait contact avec le PNH dans le journal là qui c'est Michel Lujeune pour plus de détails sur la situation qui est développée ailleurs dans le niveau Matissan. Pendant pays a gagné un nouveau premier ministre Petro Challengers yo même sous bon pa yo pas prendre vacances du tout. Ayer dimanche là encore yo té pilé béton pour continuer exiger la justice faire lumière sur dossier Petro Caribéen. Port-au-Prince, pas seulement côté que t'es gagné manifestation, Petro Challengers, yo t'es metté pied ou à tête ou dans Jérémy. Mathieu, dans différents groupes, nous prenons, nous balconnons un commentaire levé pour matin lundi 17 septembre 2018 là, avec Madame Shirley Saint-Victor. Immédiatement, fin garder comment temps levé avec Madame Shirley Saint-Victor, Peterson Blaise, nous prenons garder comment Larry a levé tout avec Port-au-Prince à travers rubrique ça qui est les traversées. N'est-ce pas, c'est vite, journal, la parole équilibrée, collaborateur, nous, Salomon Sedmé, après, pour le recevoir, député Jean-Marcel Luméran. Jean-Philippe Marseille, après, le recevoir, député Jean-Marcel Luméran, consatou, Salomon Sedmé, après, pour le recevoir, Célestin Nicodème, lui-même, lycée Kazek, 8e section, joli trou, qui n'a pleine du nord. Différents prince, ça y va, l'autre, mesdames, messieurs, pour le faire, menu premier, rendez-vous, journal, méga, matin, pour semaine, ça, rete, broché, n'abtoune. Chaque fois qu'il y a une urgence, un problème dans la zone ou au soir, un côté ou passé, ou sans tout cas besoin d'intervention, une autorité ou bien si pour un bon prochain, relais Radio Mégane 48 31 07 07. 24 sous 24. 48 31 07 07. Nous parlons d'eau pour faire Jouda.
dis ça ou est. Ça ou tande ya, sans wite, sans mette, et puis Radio Mega a fait message à passer. Si ou ta remarqué ligne là occupé, voyez yon WhatsApp ou bien yon SMS dans même numéro 48 31 07 07. Ou pas imaginer combien vie ak bien ou ka sauvé dans démarche ça. Radio Mega, nous là pour accompagner ou dans bon ou mauvais temps. Une autre fois, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Journal Mega Matin, prêt à rentrer la caillou. Grâce à collaboration, toute équipe là. DJ One One Chopam dans Miami. C'est les Cap Viré Bouton Yo. Samuel de Rimé dans Port-au-Prince. Salomon 7 Micro donné Journal Sage. Philippe Marseille a écrit sous supervision. Rodrigue Séjour. Dans micro pour présenter nos principales informations yo. Non, Pam, c'est Blaise Peterson avec Romanès Samedi. Bonjour Romanès Samedi. Bonjour Blaise, bonjour Samuel Dorimen, Cap fait manœuvre technique en Haïti. Didier Wan dans Miami. Bonjour tout le monde, déjà bonne écoute. J'en ai annoncé le titre journal là, eh bien, nous prenons le connaître comment t'as levé pour matin, lundi 17 septembre 2018 là. Avec Madame Shirley Saint-Victor, non, UHM, qui c'est Unité Hydro-Météorologique Pays d'Haïti. Bonjour Madame Shirley Saint-Victor. Bonjour Blaise, bonjour à vous-même qui a fait manœuvre technique, yo, auditeur Radio Mega, un gros bonjour pour nous chaque. C'est toujours avec même plaisir pour nous avoir dans Unité Hydro-Météorologique Pays d'Haïti pour nous présenter un bulletin pour journée. Comment situation synoptique là hier dans Caraïbes là sous Atlantique là pour jeudi lundi 17 septembre 2018 là nous gagnons deux creux de surface yon qui trouvé li au sud pays Cuba et l'autre là li au nord de l'île d'Haïti yo caractérisé temps dans région Grandes Antilles au matin. Pour ça nous vinn gagner un temps instable que nous prévoit pendant journée sous pays a et averse la pluie ak l'orage encore nous prévoit ça dans soit dans fin soirée ak nan nuit là. Sous région nord à région sud pays, c'est-à-dire nord, nord-est, nord-ouest, sud-sud-est, sud-ouest. Sous pays d'Haïti matin, nous levé avec région sud, n'a levé avec région sud là, cap gagner ti la pluie de temps en temps. Soleil là, n'a gagné dans journée et tout reste pays a disons a levé avec soleil. N'a gagné vent cap présent, cap souffler fort pendant journée. Nuage yo y a développé après-midi à kaswaya. Température maximale là la varie entre 30 à 34 degrés Celsius pendant journée sous quelques départements pour tomber dans nuit là entre 20 à 24 degrés Celsius. Sous pendant presque zone qui entoure l'io n'a levé à comporte presque qui gagne nuage n'a gagne soleil pendant journée nuage y a développé dans après-midi ak nan aswè. Température maximale là la privé jusqu'à 34 degrés Celsius pendant journée sous Port-au-Prince et la tomber dans nuit là à 25 degrés Celsius. Averse la pluie ak l'orage isolé nous prévoit ça dans fin journée à Kaswaya sous capitale là. Pour l'mer en pile vigilance en pile prudence à capitaine embarcation bois fouillé que ce soit à traverser zone côtière nord zone côtière sud ak dans golfe de la Gonâve. Matin en soleil là après lever à 6h37 la coucher à 6h49 pour lever encore demain mardi à 6h37 minutes. C'est là nous mettez fin dans première sortie bulletin nous pour semaine là nous remercier Blaise nous remercier tout auditeur auditrice Radio Mega nous ba nous rendez-vous demain matin si Dieu veut. Passez une très bonne journée, une excellente semaine sur Radio A. Bye bye. Merci madame Shirley Saint-Victor. Ou même tout passez une très très bonne journée accompagné Radio Mega, gros réseau Radio Mega ici. Moment arrivé mesdames messieurs pour nous regarder comment capitale là avec différentes zones qui environnent nous lever pour matin ça. À travers rubrique ça qui relie traversé. Bonne de matin avant de quitter la caillou ou t'as remis qu'on est comment la riaï est-ce qu'on a passé est-ce qu'on a traversé tout partout tout côté reporter mes gars déjà sous deux pieds y a checkez-vous olapalais.com nous prenons traverser dans la riaï avec différents collaborateurs nous yo Salomon Sedme qui déjà dans la riaï avec dans zone bicentenaire Matissan Fontamaral déjà fait tout côté sa portail Léogan li pral gade avec nous est-ce que moun yo capable de traverser dans zone ça pour matin lundi 17 septembre 2018 là
j'en toujours dit chaque matin dans rubrique là, est-ce que moun yo capable de traverser maléa ou même qui pas coûter rubrique, est-ce qu'on capable de traverser dans journal méga matin pour matin lundi 17 septembre 2018 là, déjà différents collaborateurs nous, Salomon Sedme, John Wesley, Abdias Aristil, Jonathan Charles, yo même déjà yo prend la ria pour elle dit ou même zami auditeur, est-ce qu'on capable de traverser dans zone ça au manes samedi. Immédiatement, nous fin garder vraiment comment ça y est. C'est traverser pour nous traverser avec différents collaborateurs nous. Est-ce que Salomon Sedme déjà là? Est-ce que Abdias Aristide déjà là? Est-ce que différents collaborateurs nous, mesdames, messieurs, déjà sous place? C'est ça, n'apprend consulter là pour nous capable permettre auditoire Radio Mega ou connaît toute dernière information yo. Pour qu'on ait est-ce que vous capable de traverser, n'a pas rappelé, ou à suivre premier rendez-vous journal méga matin pour semaine ça. Si vous à peine branché, si vous Port-au-Prince, nous sous 103.7, sous Okaï, nous sous 89.3, Jérémie, nous sous 89.1, Gonaïve, nous sous 106.3, Cap-Haïtien, sous 107.3, et puis Port-de-Paix, nous sous 95.5, mesdames, messieurs. Samuel Dorimé a fait manœuvre technique en Haïti. Didier Wan, lui-même, lui dans Miami, mesdames, messieurs. Rien que pour nous capables de porter la caille, mesdames, messieurs, premier rendez-vous journal méga matin. Pour semaine ça, Romanes samedi, Peterson Blaise, déjà en ligne avec nous, Salomon Sedme. Est-ce que nous pourrons regarder comment Salomon Sedme y est? Salomon Sedme, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde, bonne semaine. Nous comptons avec nous matin pour nous capables permettre mon Dieu qu'on est qui est capable à traverser à travers rubrique ça chaque matin. Qui est des mon Dieu qu'on est comme la capitale là levé pour matin comme à l'ordinaire. Nous avons passé déjà dans plusieurs circonscriptions, dans Port-au-Prince pour nous capables de garder comment pays à levé pour le deuxième acte, troisième circonscription Port-au-Prince. En pile constat que nous fait plusieurs côtés et ça qui a un rapport avec activité transport en commun déjà démarré après la station nous constaté qu'il y a des camionnettes des bus cap chargé qui prend à toute direction que ce soit des machines qui prend direction gaz payant que ce soit des machines eux même qui a fait trajet dans capitale là tant coup Delma Pétionville Carrefour Carrefour Aviation Cité Soleil Carrefour Aviation machine qui a chargé qui a monté Delma machine qui a pris direction Clessine pour suivre ça seulement ben nous constaté machine ça yo même yo déjà dans la rue à prendre des monde soit qui va le travail soit qui parle et bouger dans l'autre activité ou qui parle dans le marché et la crier et nous constater également qu'il y a des monde qui déjà commencé par la rien pour capable bouger avec activité ou comment zone troisième circonscription est par rapport avec réalité zone ça puisque nous connaissons un week-end c'est un véritable week-end tête chargée et t'es grand pile cousin qui chante pendant week-end et même gagne des monde qui prend balle selon ton information qui nous a fait confiance et qui a pris soin dans l'hôpital pour matin hein? Monde capable de traverser même si c'est timidement puisque nous constater gagne des machines qui a sorti dans grand pays qui a battu dans la capitale là même si gagne des machines qui passent avec des grandes vitesses pour capable éviter situation ça qui souvent posé dans zone ça au niveau des bisacs avec amortissant mais pour le moment qu'on calme apparent monde capable de tenter de traverser puisque j'aime Zolan machine yo a passé timidement nous pas remarqué gagne des cartouches cap chanter contrairement avec un week-end à côté t'es gagné en pile coup d'âme qui chantait au niveau des troisième circonscription Port-au-Prince notamment zone d'Assistance avec Madison et pour le moment nous constater gagné des élèves cap direction chez l'école puisque nous connaissons aujourd'hui en ce lundi ça lié avec activité dans l'école yo ça qui a rapport avec question la police comment ça est au niveau des bisacs là nous va constater des patrouilles de la police mais au niveau des portes à l'organe gagnons Terios, Terios a l'immatriculé 1-00-726. C'est une machine qui a affecté à sous-commissariat Port-à-Léogane, qui peut-être vrai probablement remplacé un pick-up ça qui était en très mauvais état. Eh bien, nous constater Terios a campé au niveau des portes à l'Éogane. Mais pourtant, tout l'autre côté, activité timidement, yo déjà recommencé dans la capitale là. Par rapport avec tout ça qui nous constater là, yo. Moun yo capable à traverser même si c'est avec un peu de prudence. Laisse un peu tout le monde de compte avec nous. Bonne semaine, bon lundi.
Merci en pile, Salomon Sedmé. Et merci en pile, puisque c'est lui-même qui fait première, deuxième, acte, troisième circonscription. Et c'est lui-même tout qui doit pour le dire, nous. Est-ce que nous capables de passer? Est-ce que nous capables de traverser sous bicentenaire? Est-ce que nous capables de traverser Martissant? Est-ce que nous capables de prendre direction grand sud pays? Et comment le reportage Léogan? Mais puisque Salomon Findine, comment zone ça y est là? Est-ce que nous devons aller quoi des bouquets, Blaise? Nous devons aller dans quoi des bouquets avec, collaborateur, nous, John Wesley, Janvier, qui chaque matin, les toujours si on est divers côtés dans zone ça pour qu'on est ce que moun yo capable traverser. John Wesley, Janvier, déjà, nous souhaitons passer une bonne semaine. Nous espérons passer un bon week-end. Est-ce que moun yo capable traverser dans l'Ivoca Fumarasa? Bonjour Blaise, bonjour Romanes, bonjour Mécanes Mouyo, bonjour tout auditeur Radio Méga, je te dis à lundi, je vous mets sur le pour ce maintenant, on a profité sur tout le monde, une bonne semaine. Et comment quoi des bouquets levés pour matin, hein? Parce que nous pour matin, hein? Pas gain courant, et c'est la première remarque que nous faisons, et non pas pour nous visiter plusieurs stations qui gagnent machines, qui assurent à ce qu'il y a des transports en commun, hein? Nous avons remarqué dans les stations bus qui peuvent aller en bas la ville. Patman que ça te gagne un peu de distanciation hein? Et nous te remarquons que te gagne un peu de monde qui est déjà disponible pour aller dans la capitale là, soit pour aller vendre, soit pour aller dans l'activité personnelle. Dans la station machine qui peut aller Gérald, tu déjà gagne un petit business disponible. Dans la station monde qui peut aller matin, font Paris de Malpass, et puis après lundi, c'est jour officiel, côté que tu gagne machine pour aller Malpass, pour aller acheter. Nous te remarquons que déjà gagne un peu de machine disponible et tu gagne un monde disponible. Pour que nous n'ayons pas de Marassa, nous remarquons que gagne un monde qui est déjà disponible. Pour aller dans plusieurs parcours, tant que Florio, Gérald, Lessine. Et nous remarquons tout bien des bus qui passent pour un monde pour aller en bas la ville. Si vous pouvez aller dans le Capuchada, sur le Capuchada, si vous avez une machine, oui, vous avez une camionnette déjà disponible pour aller avec le Capuchada. Et nous remarquons sur le plan de sécurité comment ça y est. Et dans le parcours, nous, dans le niveau lycée Jacques 1er, nous remarquons déjà un Sirius qui est immatriculé 1-00728 qui était déjà là pour assurer la sécurité de la population. Dans le niveau de Kafumara Sato, nous remarquons sur la présence policière. Donc, Blaise, sur, et pourquoi des bouquins pour matin? Donc, pas gagner aucun problème. Nous remarquons tout le monde qui a traversé. Pas gagner aucun panique pour matin. Tout le monde qui a traversé dans le bouquin matin. Merci un peu, John Wesley Javier. Vous-même qui êtes déjà présent pour nous dans le niveau Kafumara Sato, qui se dit avec les amis auditeurs, Journal Méga Matin, Cap Côté, Rubrique Sajan, toujours dit chaque matin. Malé à vous même qui pas écouté Journal Méga Matin, Rubrique ça, est-ce qu'on est capable de traverser dans différentes zones, quand on a différents reporters nous qui présents? Nous avons monté Forjac Fermat, nous pourrons regarder avec Abdias Aristil, comment Fermat Forjac levé pour matin. Est-ce que nous sommes capables de traverser, descendre dans cette ville? Est-ce que nous sommes capables de sortir cette ville, capable de monter tout dans le niveau? Forjac Fermat avec collaborateur, nous qui c'est Abdias Aristil, qui chaque matin, toujours présent dans le niveau zone ça, dans le niveau Forjac Fermat, ou même amis auditeurs, ou même samedi, nous sommes aidés déjà avec Salomon Sedmé sous zone Bissatonner Matissan. Je le dis à dans le niveau au troisième dans la meille en pile coup de zame t'a chanté gamon qui même sorti blessé pour matin là li pou pa ko gè situation ça mais on senti gè on peur la caille citoyen yo parce que qu'on est zone troisième ça là des fois passer là dedans assurément toujours on peur quitter la caille citoyen yo grand pile et en pile inquiétude à passer dans zone ça. Effectivement, nous va regarder est-ce que nous capable monter Forjac, est-ce que nous capable joindre correspondant nous qui dans zone ça pour capable dire nous est-ce que effectivement nous capable traverser, est-ce que machine cap sorti Delma Pétionville, est-ce que machine cap sorti en Balaville ca monter dans zone ça, est-ce que gen machine tout cap sorti dans zone ça ca mettre tête ici sous Pétionville. Toujours dans l'idée, mesdames, messieurs, pour nous capables d'informer auditoire Radio Megayo, pour eux-mêmes, ils sont capables de prendre toutes mesures, pour eux capables de prendre toutes précautions possibles, parce que l'est vraiment interdit, et absolument interdit à qu'un monde, pour quitter la caillou, son patin de journal ça, son patin de rubrique traversée, pour qu'on ait qui comportement ou doit gagner à travers la rue, pour capable qu'on ait est-ce que ou qu'a traversé dans telle zone, est-ce qu'on pas capable de traverser dans telle autre zone? Est-ce qu'on capable passer Martissant en moment n'a parlé là Salomon Soudil? Est-ce qu'on capable passer quoi des bouquets
yo sou dil. Mais kounya nou pralé au lieu de Fort Jacques Fermat parce que nous avons des difficultés pour nous rejoindre Abdias Aristide, nous pralé dans niveau Girardot Pétionville avec Jonathan Charles qui pral dit nous est-ce que moun yo capable traverser dans niveau Girardot et divers autres côtés dans commune Pétionville. Bonjour Jonathan Charles, déjà bonne semaine et n'espère pas passer un bon week-end. Olapalais.com. Voilà, nous pouvons entrer dans le développement journal Megamate. Jean, nous t'ai annoncé l'antite nous yo. Bien, week-end ça, Parlement haïtien, nous voulons parler de Sénat République là à la Chambre député. Yo arrivé voter en faveur. Déclaration politique générale PM. Bon, à l'époque, il était PM nommé, mais qu'on n'a pas nommé encore. Parce que lui était seulement pour installer jeudi à la matinée afin d'installation à parler national. Eh bien, regardez, on a commencé à atteindre le niveau parlement haïtien pendant le week-end. Non. Deux branches parlement haïtien voté en faveur déclaration politique générale Premier ministre Jean-Henri Seyan vendredi soir dans le niveau Sénat avec samedi pour chambre député. Dans le Sénat République là, 21 sénateurs votés pour, 5 votés contre, à 4 fait abstention. Et puis, chambre député à 84 députés étaient votés pour, 5 contre, à 4 étaient fait abstention. À travers déclaration politique générale, li, nous essayons promettre pour le faire lumière sur dossier Petro-Caribéa et puis combattre la corruption dans l'État. On suit un reportage spécial avec collaborateur nous, Romanes Samedi, qui s'est envoyé spécial dans le niveau parlement haïtien. Yon déclaration politique générale qui est environ 93 paragraphes, mais yon pi intéressant parce que l'autre, ou ta dit noté Jean-Henri Seyan, te connais qui sa parlementaire ou aptan nan mel, ça c'est yon engagement qui crée satisfaction la kaye parlementaire yo. Persécution, certainement non. Impunité, certainement non. La vérité pour Petro-Caribé, certainement oui. Bataille pour faire lumière sous gagote 3.8 milliards de dollars Petro-Caribé à Seyoun, mais Jean-Henri Seyan par contre est seulement arrêté là, li pour mettre tout. Pour déraciner corruption à tout niveau dans l'État. La lutte contre la corruption et la recherche de transparence sont, en effet, au centre de mon agenda, de ma feuille de route et de celle que je transmettrai à chacun de mes ministres. Pour commencer, vous voyez un signal clair. Premier ministre nommé Adil prend engagement pour réduire les dépenses dans l'État. Qui donc gaspille à Kali Wesla fini d'après nous essayons. Cette obligation de rationalisation, de bonne gouvernance, tant au niveau du fonctionnement qu'à celui des investissements. Il faudra réduire les dépenses non essentielles pour orienter les ressources disponibles vers des investissements sociaux ciblant les couches les plus vulnérables. Nous essayons pas quitter sous côté système éducatif là dans pile promesse ça ou l'a fait devant l'Assemblée parlementaire. En côté ça. Le gouvernement veillera à la création de 10 académies d'excellence en vue de constituer très tôt les compétences dont le pays a besoin et la réhabilitation d'une centaine d'écoles environ. Ces nouvelles salles de classe devront permettre à terme de prendre en charge de manière durable 500 000 enfants que nous n'étions pas capables de retenir dans le système éducatif. L'IPAYON secret pour personne, yon a objectif majorité jeune haïtien dans le mouvement, c'est parti quitter le pays. Premier ministre nommé à noter Jean-Henri Seyan qui conscient de ça, dit déjà joignant une formule pour capable de faire mes vannes ça. Après bénédiction, nous, deux gros mission comme premier ministre, c'est créer conditions pour jeunesse nous en recommencer quoi dans propre pays. Et c'est bail moun kap créer travail, yon encouragement pour yon continuer avancer. Dans discours la prononcé devant assemblée parlementaire, nous t'essayons pas mettre sous côté cette grand axe président Jovenel Moïse, c'est yon même la cité là. Réformer l'État et maintenir la stabilité sociale. Transformer Haïti en une destination d'investissement. Augmenter la production nationale. Construire des infrastructures énergétiques. Renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires, améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation, promouvoir la stabilité à l'aide des projets sociaux. Finalement, Premier ministre nommé à main un dossier en pile monaptan fin mois octobre 2019 et c'était une des principales missions chef l'État Tibali. Futur Premier ministre là, bay garantie élection ou a fait droit par ouais fin mois octobre 2019. La justice, la police et la santé, c'est que l'autre secteur Jean-Henri Seyan croit qui malade juste dans eux, il déjà un plan pour yo. Enfin, après tout débat dilatoire, si la République là après 14 ans de débat parler en pile, y aurait si décidé passer au vote déclaration politique générale noté Seyan. Après vote yo, président Grand Corps Joseph Lambert a confirmé résultat yo. 21 votes pour, 5 contre et 2 abstentions. Là, nous samedi matin environ 6 heures. Mais ça pas pral campé là dit tout. Samedi après-midi, environ 5h30, séance là recommencé même Jean avec même dilatoire dans
chambre basse là pour nous tendre jusqu'à 5h du matin côté président Gary Boudou pour le passer au vote après plus passer 10 heures dans débat c'est premier secrétaire chambre basse là député Kwade Bouquet Jean-Rilé Jean qui lui-même prononcer résultat ça yo 84 pour 50 4 abstentions yon séance qui te gain en pile brigandage bouche l'ouvri entre plusieurs députés c'est aussi là yo qui était dans opposition et t'a reproché président chambre basse là Gary Boudou comme quoi cap malmené débat. En tout cas, après environ 2 mois depuis Jacques-Guy Lafontaine qui était primature, pays a gagné. Il y a un nouveau premier ministre qui a installé journée lundi à un palais national. Romanes samedi, Radio Omega. Merci Romanes samedi. Bon, Romanes nous va laisser être très bref parce que je connais que vous faites deux journées, deux nuits blanches. J'en ai dit déjà, vous avez annoncé là dans le niveau parlement. Bon, un peu monde trouvait que pour que ça t'ait obligé de gagner tout ça avec ça parce que tu connais déjà dans niveau c'est comme ça passé. Bon, chambre député à tout déjà qu'on idée sur la majorité même là nous t'ai attendre t'as pas plus n'est qui pas voter contre. Bon, malheureusement gèlè, même groupe c'est gèlè. Nous tomber des nuits. Je dis groupe c'est gèlè en plein dans les voter. Nous tomber des nuits parce que j'en te dit ou songe que les massiens ont dit mettons attention soutenu. Sur groupe 16 là m'te dit m'pa quoi m'te dit groupe 16 là censé diviser sous position ou ta dou bay vote yo mais qui t'en rappelé Blaise Sénat républicain j'aime de dit pas gagner dans parlement fait à l'air ou dia on comprend Sénat républicain là t'a dit 1h30 il commence à 4h30 par 5h et chambre député a t'a dit 3h commence à 6h on comprend et mais ça que sûr certain tous deux présidents grand tous deux présidents branche parlement yo agi avec force. L'aime dit agir avec force, gain de points de droit, gain de côté et des députés de, ou des sénateurs de l'opposition fait du point de droit qui juste mais où est Lambert il passer sous yo comme, mais comme avec bon technique capitaine. Avec technique et une bagarre il fait autant de ou attendre le dit dans question poser yo après séance là côté la fin interview il me dit il dit que il prend pile précaution pour que ça te arrive dans dossier tout caribé pas arrivé là. Il y a mon tiré des sons. Tu es approché ou? Yo, tu es approché depuis après pour tout caribé Lambert. Bah, j'aime qu'on fait séance en bateau. Et après, on t'a fait combien de nuits de camions? Oui, des camions. Et t'as pas plaisir. T'as pas plaisir. On a plus le monde. Il laisse ça, on t'est tourné. Il vote en résolution tête chargée. Et puis, et séance commence à reprendre. Bon, c'est politique, opposition, tout. Descend timidement. Mais Bodo Gary sont l'autre bagaille blesse. Bodo Gary sont affaire pas l'étape fait. Bato Bodo te fait rien que t'es grand rapport avec monde qui t'a dirigé séance. Ça passe tellement c'était non Bodo te Bodo s'il te qu'a fait passer au vote à 8h. Parce que tu veux finir ou bien au niveau il a dit fatigue là, t'as bien fatigué ou bien pas quoi fatigue. Bodo t'a bien fait pâle. On comprend Bodo t'a bien fait pâle. C'est comme si Bodo te ou a parlé, le pape qui t'a parlé. Député opposition a parlé, tout ça il dit pas bon pour Bodo. Bodo avant de prendre décision, consulter téléphone, bon, pas de problème avec ça. Mais les Bodo prend décision ou senti Bodo dirigé. Vous comprenez? Bodo dirigé, Bodo te plus envie de passer au vote à KPM. Vous comprenez? KPM là. Depuis avant même, depuis le moment PM n'a prend résolution, une bonne information dit mon cher, nous sauver. Et nous ne pas prendre le temps parce que une résolution député ou voté là. Et pour faire après 10 interventions, il passe au vote. Parce que qui ça c'est même bagarre là tout pral dit ça veut dire pas d'obligé gagner plusieurs interventions je décasse valette on porte voix on porte voix sauf que tout ta pral content paraît devant tribune sous tribune devant télévision pour regarder dit gon toilette bol la caillou tol yo crasé PM est-ce qu'on ba nous des blocs de ouais ça oui dans niveau sénat gagne sénateur Foucan qui a dit PM faut ba université dans tel côté m'a demandé pour qui ça voter Foucan moi on comprend gagne de mon en bas franchement moi et va demander mais est-ce que pas gagne de jeunes cadres pas gagne de monde qui fin fait faculté ou gagne fou qui gagne capacité qui travaille ouais toutes les fou qu'on parler à l'ambe a coupé parole dans bouche Foucan elle a pour elle a dit président on comprend comme si vous senti on dit que fou qu'on parler avec Evalier Boum la parler ouais débat différent oui. On comprend mais c'est justement pour me dire et Lambert te dirige avec force tout mais le petit technique mais Boudou a fait pas l'étape fait lui-même. En avance, on a gardé PM séant par rapport avec déclaration de gain à niveau Sénat après, non, niveau Parlement après votre déclaration générale. Effectivement, après deux branches Parlement au fin voté en faveur déclaration politique générale, Premier ministre Jean-Henri Séant après bénédiction levant Parlement avec des chambres députés avec Sénat qui voté en faveur déclaration politique générale à cabinet ministériel là, nous essayons de faire connait pas aucun député avec Sénat qui négocie l'argent avec elle. Vous comprenez? Séant dit qu'on ça monde cap dit pour quoi voter pas vrai. Vous comprenez? Mais c'est un fait qu'on est député et sénateur était pito
parler des projets qui représentaient et circonscription yo. Ça veut dire pour département à travail, à faire travail pour poche là et pas vrai. Toutefois, nous t'essayons de garantir le travail dans l'intérêt population. En écouté, Jean-Henri Seyan dans Micro Radio Mega. Je vais parler en pile, je connais qu'en pile, je suis fatigué, ça fait longtemps que je parle. Mais je veux dire, peuple a yon bagay, que je suis tenu à exprimer. Contrairement à ça, mon a dit, contrairement à ça, mon pensé, contrairement à ça, mon a fomenté, je n'ai pas gagné aucun député, ni aucun sénateur, depuis l'homme commencé à parler avec yo, à travailler avec yo, à essayer de comprendre mieux politique pays, à essayer de comprendre mieux comment m'a l'embarqué, à essayer de comprendre qui est-ce qui peut accompagner dans la grande bataille ça. Personne, pas jamais demandé mon goût. Personne n'a jamais demandé rien. Je devrais dire ça. Si un député qui approchait pour négocier quelques bienfaits pour la population, je pense que c'est normal. C'est normal. Et le monde qui dit le contraire, c'est parce que pas qu'on est vie député et sénateur. Je voulais dire, je voulais remercier tout député, tout sénateur qui permettent aujourd'hui que nous vivons en vérité, vraiment, que m'embarquer avec le support, l'enseignement, je dis même. La formation que j'ai eue pendant ce dernier mois avec les parlementaires de mon pays. M'vlezio, moun surtout qui pas voté mio, moun qui voté contre moi yo. M'bral bayo chance pour yo konnen ki moun moi yo. M'bral bayo chance pour yo wè équipe moi yo à l'œuvre. M'bral bayo chance pour yo wè que peut-être te trompé ou que aswè. Yo va te mettre ensemble avec équipe qui voté nan pour te ban ouvrir la route pour nous. M'kwè gen en pile député, c'est pas vrai pas de voter m, mais yo devrait rester cohérent avec position de prend même l'heure va compte qui monde moyen m'a dit nous tout qui voter mieux et nous même qui pas voter mieux jodi a m'prend engagement pour moi-même pour tout gouvernement avec moi pour nous démontrer que nous mérité vote là que nous mérité accompagnement que nous bon moi pendant moi m'a demandé nous pour nous continuer croire dans équipe sac là surtout dans vision président que me quoi la donne que me voulait accompagner avec lequel m'a cherché toute harmonie pour que enfin Haïti capable de une toute petite lit qui met tête ensemble pour nous faire mal qui choisit de bien pour pays ça. Démocratie c'est ça nous choisit. Démocratie pas des goumi ou n'a plot. Démocratie pas des polarisation. Démocratie pas bledi pour nous vivre dans l'antagonisme. Démocratie bledi construire mais construire dans la diversité. C'est ça m'engager pour me faire. Député, sénateur, tout le monde dans pays autorité on met tête ensemble pour nous sauver Haïti. Merci en paix. Voilà, nous ce côté déclaration Premier ministre Jean-Henri Seyan qui jeudi à là pour l'installer dans le palais national par président République là Joseph Lambert après Jovenel Moïse pardon. Palais.com. Président Sénat République là Joseph Lambert félicité travail démocratique qui fait à traverser en ça non Sénat côté contradiction te traversé grand koa tout sénateur est sorti satisfait. Sénateur Sidessa qui dit il prend les soins après séance problème qui était voué dossier Petro-Caribéa coup des côtes là reconnaître et réalité fait dans séance ça pendant le promettre pour améliorer Jean l'a dirigé débat il était dans micro au manne samedi nous éviter écouter l'assemblée a tranché tant qu'on t'a dit c'est une séance qui pour moi même doit marquer histoire ou bien vie parlementaire ici vie politique là même ici tant qu'on a constaté c'est tout sénateur toute tendance confondue qui était là nous t'es parti vraiment pour un bon débat. Et côté où tu vois contradiction à travers ces salles-là, véritablement. Et on sentit tout que dans la façon que nous menons ces instants, j'en conduis des baillots, par un sénateur qui sorti insatisfait. Nous permettre que chaque sénateur, dans toute tendance, yo, au moins une opportunité pour exprimer. Et nous faire en sorte que nous tranchions sur des points de droit bien précis, côté où pas joindre véritablement de contestation autour d'eux. Ces instants longs, et nous préférer, comme tes cadres, perdre du temps, mais au moins pour tes bonnes nouvelles. Je ne vous dis pas, certainement, ou pas besoin de remous dans le niveau assemblée, et parce que chat échaudé craint l'eau froide. Parce que tout le monde songeait qui j'en ai fait une séance ici, sur question Petro-Caribéa, je ne vais pas rééditer même histoire Petro-Caribéa, parce qu'il faut qu'on inspire peut-être de erreurs ou bien mauvais comportement ou attitude côté gain à un certain moment de la durée pour essayer de corriger dans le temps. Vous direz le sens, sénateur? Mais certainement. Et c'est ça que fait à chaque fois, on va améliorer. Pas améliorer parce que 100 fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage, policier. C'est une mauvaise compréhension de situation par plus d'un qui fait que je dis, pas de droit mettre rapport là en débat. Pourquoi? Lorsqu'il fait rapport là, l'Assemblée n'a pas qu'à sanctionner rapport là. Mais il y a des sénateurs qui sont capables de disposer d'éléments suffisants dans le côté capable de contredire ce qui dit dans le rapport.
Et comme de fait, nous avons constaté que débat fait sous des points qui t'apparaît des tijoués. Cette histoire de fiscalité, si nous avons payé taxes et autres, etc. Ou est combien de temps débat ça fait? Ou est des accords qui t'ont gagné? Et où t'es, ouais, tout le monde qui t'a tiré des décrets, des lois qui datent de 77, qui datent de 2005. Et ouais, tout sénateur a pas argumenté. Et la vérité, finalement, pas sortie. Et ouais, tout sénateur d'accord avec décision qui est adoptée. Le bureau était en mesure pour qu'il tranche parce qu'il était convaincu que dans ensemble considération qu'a fait yo, eh bien, monsieur Damnayo, yo en règle avec le fisc, yo pénalisé yo, et c'est dans limite ça seulement que loi a pénalisé yo. Par contre, nous devons apprendre que je ne veux dire, faut que nous fassions passer des lois ici, ya, qui est capable de criminaliser un monde qui pas payé taxes. À des monde qui fait ou bien fraude fiscale, ou bien monde qui fait en fausse déclaration, le sakouni en a criminalisé. Joseph Lambert, Peterson Blaise, qui lui-même dit, il prend le son, hein, autant de le dire ça. Il dit que dossier Petro Caribe a débuté après séance sale mal à l'aise, hein. Il est mal à l'aise, il est maltraité là bas, il est maltraité sur les réseaux sociaux. Il dit, sénateur, prend le son? Il dit, mais certainement. Il prend le son. Il était très mal, oui. Et non, il n'y a pas mal. Lambert, Kedley Augustin. Mm-hmm. Et donc, c'est des sénateurs, mon Dieu, ouais. Calmura Cantave. Mm-hmm. Bon, c'est des sénateurs, ben, m'saisi. Bon, moi, Kedley a voté abstention. Kedley pas voté pour pouvoir, m'saisi, bah, ça. Mm-hmm. Bon, il était tellement maltraité le tout. Vous comprenez, la population, là, on l'autre G. Vous comprenez? Mais, ça qui suit, c'est Lambert fait tifos, tout. Il fait tifos. Uh-huh. Mais, il prend plusieurs suspensions de séance pour l'alpa la Yuri, l'alpa la Bouplan. Ça qui explique, ça avec monsieur. Non, à n'importe moment, on va craser Lambert, mon cher. Bon, oui. À n'importe moment, on va craser Lambert. C'est un bel débat, tout est animé entre Yuri avec Sénatus. Son bel débat. Même pas, c'est Sénatus, t'es trop penché. Parce que Sénatus, non seulement, il t'a pris une commission dans des situations inconfortables. Vous comprenez? Est-ce que c'est des provocations qu'il t'a fait? Et oui, il t'a fait provocation tout, mais lorsqu'on beau plan en mot, lorsqu'on carte, pas besoin de parler en pile pour le craser en séance. Ça, vous comprenez? Et puis, ou même, on a provoqué, on pense, là encore, parce que après, on provocation Sénatus, et bon, carte, t'a dit, bon, ben, il va aller à le virer. Vous comprenez? Et puis, là, ben, rapide pour une suspension de séance, là, ou elle entre dans le couloir. Les messieurs, là, les messieurs, non. Mettez-le dans le divan. Non, je ne vois qu'à faire comme ça. Vous comprenez? Il laisse ça, ou t'as parlé avec eux. Tout de suite, oui, après, Sénat République, là, t'es fini de voter en faveur, non, c'est déclaration politique générale, Jean Rissian. Eh ben, gouvernement, avec cabinet ministériel, là, t'es rendu dans la chambre député, après, elle prend bénédiction par eux. Président chambre basse, là, Gary Baudot, qui t'a mené débat au fait qu'on est. Pas que aucun député qui t'a demandé l'argent pour te voter en faveur déclaration politique générale PM, là. Pendant le téléphone tête li par rapport avec un pile député qui t'a qualifié comme tioul pouvoir comme monde qui vient faire travail exécutif là en côté Gary Baudot mesdames messieurs nan moment li t'a dirigé des bayou. Merci. Vous ne pouvez pas exprimer les deux voix à la fois. Ceux qui sont contre la déclaration de politique générale du premier ministre Jean Rissian sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui s'abstiennent. Merci, premier secrétaire. Des comptes. 84 pour, 5 contre, 4 abstentions. Merci, le Premier ministre Claude Jean-Rissian est désormais Premier ministre de la République d'Haïti et il y a une correspondance qui va être adressée au président de la République pour lui communiquer les résultats de ce soutien. Merci, maintenant que les cours, aucun député ici à Bagadzim, n'importe bagaille, parce que nous sommes députés même déjà avec nous au-delà du président. N'importe monde basim, n'importe bagaille. Merci. Gouvernement, ça, c'est un gouvernement qui fait avec parti politique. Aucun député dans 117 députés n'a pas négocié le gouvernement, le faire avec les partis politiques, avec un certain parti politique, pas avec tous les partis politiques. Donc, pas aucun député là qui négocie quoi que ce soit. Mm-hmm. Un problème, député. Gary Baudot. Comme si Baudot même prend une brigade net. Vous comprenez? Et pour même les autres dit qu'on ensemble de sénateurs, bon, cité non qui t'a des ministres, bon, s'ils disent pas. Pour des députés, il y a un bloc quand même qui proposait.
des ministres. Bon, selon non. Député Garibodo, pas une pièce député, pas une pièce dans eux-mêmes qui t'a essayé de mentir. Et comme si vous parlez, et comme si vous parlez, notre jury. Comme si l'autre dit tel sénat, tel ministre, c'est tel monde qui baille. Et comme si vous parlez, non, boudou en bas. Vous suivez les réseaux sociaux, puis vous passez. Comme si vous même dit, vous suivez, vous comptez tout ça, vous avez dit. Et comme si tout le monde pour Canada, et pour Canada, vous pouvez le dire. Et n'importe monde, pas dire, pas dire n'importe mot. Moi-même, je suis député comme nous. Et les députés, Absal Lamba. Vous comprenez, député, tout le pouvoir lié. Et boudou va une femme avec sérieux. Vous comprenez, n'importe député, pas dire n'importe bagaille, parce que je député tout. Avant mon président. Sénateur Jean-Pierre Rubert, au nom de lui qui votait en faveur de déclaration politique générale, premier ministre, fait qu'on aime ces séances, montrer capacité pour réunir tout petit pays pour permettre de retirer pays dans situation difficile. Sous Bopal, sénateur, au nom de lui, t'as tenté défendre commission par rapport à qu'un pile critique qui tombe sous deux commissions qui tape analysé, PSPM nan ak membre cabinet ministériel. Sénateur Dieu Puissier Rubin, ak au nom de lui, yote nan micro, ou mané samedi an koute yo. Moi voter pour. Normalement, dans la dernière minute, moi rejoins le groupe ça, qui vient là-dedans, sénateur au nom de Dieu, sénateur Fosner. J'ai toujours une bonne relation avec eux. Ça fait que moi, arrivé. Moi voter, non, même si c'est avec le groupe là. Pour relation ouais. Avec eux ou bien pour renoncer? Moi voter parce que non, même sens avec eux, pour plusieurs raisons. Premièrement, bon, parce que dans le cas où nous est là, médecin a montré assez de comme de Kadi, lui montrer une capacité pour la chercher mettre mon ensemble pour que nous capables briver faire pays ça décoller parce que grand pile problème les montrer vraiment les gens qui capable réunir mon ensemble pour parler. Ça veut dire qu'il y a une attente positive, c'est ça votre nom? Oui, moi pense que si tout le monde va l'accompagnement et puis les fait ça pour le faire, pense attente la positive. Commission, loi parle des faiblesses de la loi, c'est que nous mêmes nous là pour faire loi, les faiblesses c'est nous pour corriger yo. Et c'est ça qui fait me penser avec argument nous avancer au Konya là, et ben les stataires pas prendre conscience. On est là pour faire la loi dans le pays. Mais nous-mêmes. La responsabilité pas. Non, nous n'avons pas de responsabilité dans la question de charge. Il y a un peu de monde là qui vient. Non, moi-même, d'accord, sénateur, lui, on a été passé président de la commission. Ça, et c'est celle commission qui débat 46 de charge. Depuis la SAPAGE, il y a des charges encore. Ça fait que même toujours plaider, toujours défendre pour au moins les gens qui viennent servir l'État. Pour commission, bail de charge. Nous n'avons pas de moun à l'écart. Ou bien pour moun pas venir remplacer nous, ou bien pour raison politique, nous n'avons pas de charge. Non, pas de question de fraude fiscale. Parce que même nous, il faut établir la différence entre papier et taxe avec yon moun qui te gagne banque payé. Okay? Non, c'est pas fausse déclaration. Nous pas qu'arriver à accuser moun nan dite faire fausse déclaration. Parce que nous venons avec des preuves pour moun yo. Je dis là, nous étions quoi? C'est déjà équipe pour premier. Nous même commission, au moins ouvrir la voie, ouvrir chemin hein, pour au moins DGI mettre dans le cas, mettre en application qui ça la loi dit en matière fiscale. Un sénateur en paix après travail ça. Ah oui, mais qu'on soit sénateur en paix. Parce que au cas où il y a un débat qui commence à 2h de l'après-midi, qui finit à 7h du matin, vous comprenez quelle qualité de débat que là, et c'est un débat très constructif. Au nom de Louis qui parlait après Dieu, piché oui, ben mesdames, messieurs, sous Bopal, sénateur Jean-Marie Junior Salomon, qui lui-même t'a fait abstention, dit qu'il y a un pile doute pour ce pas continuité ancien gouvernement qui vient prendre un pouvoir encore. Sénateur OPL pour département sud de la Croix, c'est système politique pays qui méritait changer pendant le souhaité pouvoir ça renforcer la justice dans le pays, sénateur Jean-Marie Salomon. Abstention, c'est parce que moi j'ai un doute pour c'est pas la continuité qui de mise. Parce que je dis, hein, c'est pas le changement de norme. Vous capable de gagner 10 000 Henri Séan, mais si système, non. Voyez bien, si pas gagner une pratique de bonne gouvernance dans le pays, hein, pas gagner c'est le cap marché. Ou après l'intervention, nous avons dit tout à l'heure, il faudrait bien que renforcer la justice dans ce pays. Et l'énoncé de politique générale pour le ministre Séan, il dit bien, l'intégrité de la justice et la santé de l'économie, eh bien, sont intimement liés. Le sénateur Salomon a fait abstention parce que l'Ivlé accorde le bénéfice du doute, mais en même temps tout dans le doute parce que moins peur que c'est pas continuité hein, qu'à continuer. Merci pas beaucoup. Le sénateur Salomon la lose. Non, sénateur Salomon pas jamais la lose. Pas oublier que moi c'est un sénateur de l'OPL, je suis du centre gauche, j'ai toujours choisi le juste milieu. Exactement je dis en moins doux, si système n'a pas changé, le PM Henri Séan pas capable. Non, écoutez, j'ai accordé le bénéfice du doute, mais en même temps tout dans le doute. Merci beaucoup.
Sénateur Sud, là, Jean-Marie Junior Salomon. Président bloc majorité à nos chambres députés, Jean-Wilson Hippolyte, croit ses résultats en pile bataille au fait que la cause pays a doté un premier ministre dans le moment ça. Député Léogane n'en fait croit vote ça montré groupe majorité arrêté soudé des deux pouvoirs pendant le fait qu'on est là pour un résultat nouvelle équipe séant. Député Jean-Wilson Hippolyte, dans le micro, Romane Samedi. Normalement, parce que nous avons travaillé longtemps à ce que le pays a été connu au premier ministre. Donc on est, ça fait plus que deux mois depuis que nous avons un gouvernement démissionnaire qui n'a pas qu'à engager l'État dans trop gros choses. Donc il était temps à ce que le pays a été connu au premier ministre pour voir comment nous sommes capables de connaître des jours meilleurs. Donc nous attendons à ce que nous puissions mettre l'équipe, ça, nouvelle équipe ça à l'œuvre pour nous qui ça va le bail. Bon, oui, donc nous espérons que les faits de théories que les autres exposés nous ont, les tournées de vraie réalité. Majorité, c'est 72 liens, il y a plus que 84 députés qui votaient. Donc, il y a des députés tout qui parlent, il y a des députés qui malades. Et puis, ça veut dire que 72 noyés, plus que 84 votés pour énoncer politique générale et pour le ministre, ça veut dire que nous gagnons les alliés qui votaient avec nous. Paul-la-palais.com. Voilà, nous sommes côté président bloc, majorité à la chambre députée, qui c'est Jean-Wilson Hippolyte. Au Manès, semble en situation, côté gagnant au groupe 75 pêcheurs, eux-mêmes qui bloqué. Sous Nanmeya dans zone grand ensemble la Navaz. Nous pourrions gagner plus d'été avec président Croix Rouge haïtienne qui c'est Guito Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre, bonjour, bienvenue dans le journal Mega Matin. Dis-nous exactement qui sa situation est par rapport avec Péché Sayo. Même il était gagné à peu près, il est formé nous que et il y a plusieurs bateaux, petites embarcations qui t'a pêché. Et puis paraît-il que pendant que tout près la navale, parce que c'est la saison idéale que au pêché, donc on la mer est extrêmement agitée, donc il y a une situation de détresse. Gain qui essaie de gagner la terre ferme, il est pas arrivé, mais donc mais gain tout qui rapidement et plonger avec bateau et à la navale et puis mettre à l'abri. Donc ces situations d'après information, parce qu'automatiquement quand il y a information, hein, nous te contacter, nous passer information par la garde côte haïtienne et par Semana, qui effectivement Semana et docteur Sérôme qui ont pris en contact avec amateur d'un bateau, monsieur Jean, et monsieur Jean lui-même confirmé toutes les informations. Donc selon l'information que M. Jean-Baptiste Kouaouge, que vous pouvez confirmer tout par le Dr. Swab, il estime qu'il y a à peu près 21 qui t'a passé de l'église sur la tour palio, et puis il a gagné à peu près une cinquantaine, selon M. Jean. C'est ce qu'il a confirmé au Sérum de Semana. Aussitôt que Dr. Sérum a l'information, que ces informations partagées avec des gardes-côtes, donc les contacts à faire pour voter assistance pour eux. Ça veut dire, et président, pour le moment, on n'a pas l'air là, matin là, jusqu'à présent, Péché Sayo toujours bloqué sous Nanmeya, dans la zone Gradas, bloc la Navaz, jusqu'à présent? Oui, mais parce que pas, donc, pour ces contacts à faire pour voter assistance pour eux, donc, pour parler avec le docteur Sayo matin, parce que le corps tôt, pour qu'on ait une situation évoluée. Donc, probablement d'ici un petit peu plus de temps, d'abord, on va update sur ça. Pour être assistance pour eux, c'est qu'ils fassent nos bras pour eux, parce que si ils bloquent côté OEA, et nous connaissons que, surtout dans la situation est difficile, comment nous-mêmes nous pourrons laisser arranger ça et la porter assistance pour eux? Donc, selon Semana, c'est garde-côte avec Semana qui va l'assurer sauvetage. Et nous-mêmes, au niveau quoi, aux Haïtiens? C'est qui est-ce? Et nous maintenant niveau cas aux haïtiennes qui support mon apporter non au niveau recherche meilleur sauvetage par ça qui est autorité compétente. Ok, qui, c'est pour le lait capacité parce que nous même nous porter assistance et surtout nous capables de si besoin de la consultation des choses personnelles, donc nous pas rentrer dans le niveau de détail ça et nous pas vraiment de capacité nous même en tant que Croix-Rouge dans la zone ça, parce que n'oublie pas
que c'est en route merveilleuse, c'est pas beaucoup de bord à côté de bon plage, vous comprenez? Donc c'est vraiment son assistance spécialisée, et parce que l'autorité compétente a fait le nécessaire, les contacts sont faits pour comment aller essayer de retirer une situation que vous avez. Ça veut dire pour matin là, comme nous connaissons un pile dans la famille, monsieur, c'est le capteur du journal Mega Matin, Radio Mega, yo capable jusqu'à présent de gagner plus qu'étude parce que monsieur Cap a toujours trouvé sur la mer, mais pas gagner, pas gagner plus mal, mais gagner disposition qu'après bon côté de nos autorités concernées pour garder comment capable de venir en aide à monsieur Sayo. C'est ça. C'est la garde parce que nous confirmons que semaine a fait l'initiaire appuyé par les gardes de côte. Merci en pile, président Guito Jean-Pierre, ou même la préapplose, président, quoi, ou Jaïsien. Merci en pile pour toute information, Sayo. Bonne journée. Merci. Voilà, Romanes, le souhait gagne une idée, voilà. Depuis hier, gagne 75 pêcheurs qui ont même bloqué sous l'Améa. Dans une grande danse, bloque la Navas, monsieur, selon le président, yon même qui t'a fait, bon, qui t'a l'empêché, yon. Gagne les situations dans l'Améa, les mêmes, t'a la cause que, monsieur, bloqué. Mais, il dit que gagne une disposition Capran, bon côté Gatcôte, bon côté, quoi que c'est Mana, qui c'est instance qui est en charge de situation, ça, yon. Peut garder dans qui niveau capable, porter support, et garder comment tout capable, venir en aide avec, ensemble, pêcher, ça, yon. N'a continué avec information, nous parlons pas le n'a fait dernier coup de tête, n'a pas le député Sinal Bertrand. Ah oui, il a voté, il a voté? Il a voté contact demain. Il veut demain en l'air. Ah, bien, ok. Il veut demain en l'air. J'ai l'impression que si Sinal était son chaise, qui veut le taper tout lever depuis dans l'air. Hein? Député Sinal Bertrand, avec Baudelaire Noël Saint, ou même, il a voté contre déclaration politique générale premier ministre Séan. Il a dénoncé le Parlement haïtien qui perd la dignité, la capacité. Parlementaire Sayo. Qui dit après t'étant gouvernement deuxième lundi mois janvier 2019 pour un résultat yo longe doit yo toute longueur sous Garibodo président chambre député a yo dit qui violer la loi qui donc Bodo pas vinn fait rien gain rapport à constitution en bas en côté une après l'autre Sinal Bertrand Baudelaire Noël Saint dans micro Radio Mega. C'est là la grande tristesse. Je ne j'ai dit à nous, parlement, tout non pas cochon. Connaissez pas les salles seulement qui a passé. Connaissez moun sans dimension qui l'a dedans. Moun qui barre une colonne vertébrale. Je ne j'ai dit à, m'a souhaité PM avec toute équipe, lui bonne chance. Mais son jeu, mon dernier rendez-vous, c'est deuxième lundi mois de janvier, c'est là m'a attendu. Pour beau qu'il pipi pas mouillé, pour beau qu'il fasse travail dans figuio, nous barre trois mois pour prendre main. Je ne j'ai dit à. Je ne j'ai dit à, m'a c'est moun qui a voué petit l'école, pour qu'il s'en voué l'école. Moun qui a fait politique, pour qu'il s'en fait politique, je ne j'ai dit, on pas quatre monde qui montrer yo pas incapacité pour faire même un débat contradictoire. Je dis à nation t'a tant ça l'emmène pour garder pièce ministre, pour garder qui est-ce qui légal, qui est-ce qui illégal, qui est-ce qui approuve une ministre, qui est-ce qui pas supposé ministre. Et même je dis à loi majorité a Garibodo, li violé tout article qui vient dans constitution, li violon paquet article qui dans règlement intérieur. Et ben je dis à règlement intérieur ça est-ce que c'est bon bagaille pour dans toilette? Est-ce que c'est bon bagaille qui donne un papier hygiénique selon bureau ça selon présidence avec non m'pa bata Garibodo m'ta fond débat contradictoire côté moi fait point de droit que Gari violé point de droit ensemble avec majorité là qui sont majorité avec le fait que gen des ministres sortant qui reconduit dans le gouvernement pendant que gen une certaine tendance une certaine interprétation de l'article 72.1-C ou décime par exemple qui t'a voulu faire comprendre que il a besoin de charge m'ta gen réserve sur ça m'ta poser question deuxième réserve que m'ta gagné c'est c'était trois parmi cinq ministres. Nous avons estimé qu'il était entre le gouvernement Lafontaine sans décharge. Qu'on y a eu une gagne de charge pendant qu'il reconduit dans le gouvernement ça. Nous avons posé la question, oui, il y a eu des charges. Nous n'avons pas une base légale pour nous soutenir qu'il n'y a pas de droit dans le gouvernement. Mais nous avons posé la question sur un plan moral pour nous demander est-ce que le fait que qu'on y a eu des charges, est-ce que ça a retiré le fait qu'il a violé la constitution. Donc nous avons recommandé avec réserve ça. Bien entendu, je dis, hein, c'est pas que la majorité en pas de gagne voile déjà pour le ministre passer. Il y a eu des gagne voile. Mais il n'y a pas quitté l'exercice démocratique en fait, il n'y a pas quitté que député minorité, excusez-moi, en pile dans député majorité, il y a un point de vue pour le pays. Il y a un échange pour faire avec le premier ministre, pour te comprendre très bien qui côté la mener pays. Parce que, étant qu'on est à bagarre grave, littéralement grave que nous ne pouvons pas perdre. Or, meilleur moment, nous avons qu'on est à prendre un engagement pour le ministre, bien, j'en dis dans la déclaration politique générale, c'est là devant nous, nous avons pris un engagement pour nous entendre, nous, engagement ça, nous avons aidé le mener, nous avons aidé le mettre bagarre dans l'avantage population. Voilà, ce côté député Sinal Bertrand avec Baudelaire Noël Saint. Bon, nous sommes gagnés en pile idée sur comment ça a été pendant le week-end, non, et dans le niveau Sénat et Chambre députée, ya, comment que députés et sénateurs ont voté en faveur déclaration politique générale PM Jean-Henri Seyan qui matin là, t'a dû installer dans le niveau Palais National à 11h, président République là, Jovenel Moïse, c'est lui qui a installé
PM Jean-Henri Séan. Faut que nous disions un tweet, li fait président et premier ministre Jean-Henri Séan. Il dit, je remercie les députés d'avoir approuvé la déclaration de ma politique générale, comme l'ont déjà fait les sénateurs. Je remercie encore une fois le président de me donner l'occasion de servir mon pays. Chers concitoyens, unissons nos forces pour le bonheur du pays. Vive Haïti. Ça veut dire les remercier sénateurs et députés qui ont voté en faveur des classes politiques générales. Lors des formations, papa la police à Michel-Ange Lujeune confirmé qu'il y a deux policiers qui tombaient entre avenue Muller et Magloire-Amboise. Incident s'est arrivé dans une bouche l'ouvrie qui éclatait entre inspecteur divisionnaire Cassius, et policier Corneille Jackson pour un problème parking. De monsieur Yotap échangé coup de balle. D'après explication, papa au PNH, là, qui t'a répondu une question, collaborateur, non, Jean-Philippe Marseillan, hier après-midi. Oui, effectivement, il y a deux policiers qui mourent, et c'est l'inspecteur divisionnaire Kaido et le policier Corneille Jackson. Ok. Dans quelles circonstances? Bon, circonstances, c'est un problème d'espace qui est posé. Les machines, l'inspecteur a été devant, l'autre policier a été dans la machine qui était derrière, puis bon. Il y a des tombés dans cette discussion pour bailler l'autre passé, etc. Et puis, il y a changé des propos. Et puis, bon, c'est comme ça, il y a des tombés dans l'échange de tir. Malheureusement, tous les deux messieurs ont tombé. C'est dans quelle zone ça passe exactement? Muller et Magloire-Amboise. Deux messieurs ont été dans la discussion, échange bouche, et puis ils ont râlé. Pas de gain l'autre monde avec eux? Et nous, on croit que le policier a été. Trois mounavel et l'instructeur a gagné deux mounavel. Est-ce que la police déjà interrogé Mounsao qui permet nous aboutir à l'information ça? Oui, nous ramassons des informations, nous permettons de joindre des informations qui permettent nous apprécier les circonstances à clarifier. Inspecteur ta est responsable de circulation à Delma, c'est ça? Exact. Et policier, l'autre policier à côté l'a affecté? Et pour l'instant, Baka. Pas de prise, je pense pour qu'on y a là, mais on va faire ça demain si Dieu veut. Mais on confirme, c'est deux policiers quand même. C'est ça, nous gagnons comme information. Voilà, aux autres côtés, mesdames, messieurs, porte-parole, PNH là, Michelin, Louis Jeune, Mollapalais.com. Deuxième partie journal là, qui entre la carte pour matin lundi 17 septembre 2018 là. Journal là, méga matin ou à côté sous différents fréquences nous yo. Sous Port de Paix c'est sous 95.5. Cap Haïtien c'est 107.3. Gonaïve 106.3. Port-au-Prince ici c'est sous 103.7. Sous Okaï c'est sous 89.3. Jérémy 89.1. Sous Miami, c'est sous 1700 AM et Floride, nos live sous 12-10 là. Et sans oublier différents autres médias qui relaient nous dans ville provinciaux. Donc, on peut dire Radio Panique dans Mibale, Radio Mag Horizon dans Sodo, Radio Atlantique dans Belader, Radio Préférence dans Tigouave. Plusieurs centaines de citoyens ont pile béton encore hier dimanche là pour continuer exiger autorité au fait lumière sous dossier Petro Caribea. Manifestation te gain plusieurs pointes parmi eux Kafoua au port. Yo te parcouru plusieurs rues dans Delma avant de prendre direction Delma 32, Lalu pour Talbout Kafou Poste Marchand. En côté plusieurs manifestants yo même qui t'a exprimé frustration yo par rapport à l'agent Petro Caribea, yo dit qu'il fait route crochi pendant gagoté yo continue à flâner dans pays ya. Yo te nan micro Jean-Philippe Marseillan. On va parler voler comme Caribéa, bail du journal, bonne volée, bail l'argent dans mes noix, ma 61, un gros dimanche, m'a bouté chaudière. On va pour y'a bail comme Guinan, mais y'a pour payer à changer. Mais le pays a changé, pays a la boule pour souffrir, m'a volé ça, y'a. Parce que nous-mêmes, nous disons que nous ne pas manger poids, nous ne pas caca poids. 3 milliards de dollars là, qui bail là, et que qui était là pour bâtir l'école, centre de santé. Mettez infrastructure, route, ça veut dire que mettez cultivateurs, paysans, pour faire et agriculture pour eux, rien pas réalisé. Et nous, je dis à la qui s'est passé, et Negio prend quoi là, c'est mettez la banque en Suisse, États-Unis et la France, quelque part, et Negio, quoi là, pourquoi dépenser? Nous dit comme ça, pourquoi dépenser là? Pour Negio remettre quoi là? Et arrestation, justice, faut qu'il fête. Parce que faut qu'il traduit, moun sa la justice. Parce que faut que pays a gain, yon chance. Nous, nous prêts. Ça n'est pas la chaîne de mettre nous dehors, ça est fond nous. Nous prêts pour nous couper pour peuple là.
comme Petro-Caribe à l'époque côté Lial, nous pas gêné. Peuple a fait faire comprendre que nous pas qui pas coup. L'époque côté, n'a passé, n'a fait les autres, depuis on va faire balou. Lâchez Petro-Caribe. Nous même nous prions pour ça. Nous besoin de bouger l'hôpital, bouger l'université, bouger l'éducation pour tout le monde. Normalement, nous prions pour n'importe quel qui a fait le pays. Moi, je prie pour ça. En tant que jeune, je fais 5 ans à l'université. Ma bêtise, mais jusqu'à un moment, je vais travailler. On fera l'enfant. Nous voulons un changement pour payer ça. Comme Petro Caribe, il y a un pile de bagages. Tout le monde dit à ça, il y a un peu l'argent, il y a un peu dans un grand hôtel. Nous, on a dit, papa, ici, comme ça, pour nous perdre, il y a un peu de tuer nous tous. On a dit, toute zone, tout bloc, tout quartier, tout en dehors, mobiliser pour nous jouer comme Petro Caribe, pour changement fait dans le pays. Nous disons que nous avons d'abord sorti le corps de Petro Caribe. Nous disons, quelle que soit la façon ou pas, c'est marré voler, c'est ça la révolte dans la rue. Je dis à la tête de la rue pour nous continuer à demander le corps de Petro Caribe. Tout ça fait dans la rue, c'est le gouvernement qui est responsable. Nous avons souhaité la justice prend cause Petro Caribe en main pour ne pas quitter le peuple la calder comme là dans main nèg yo. Et s'il quitte le peuple la calder comme là dans main nèg yo, et tout ça la fait la craser tout système dans net. Voilà plusieurs manifestants, mesdames, messieurs, gagné plusieurs organisations politiques tout t'es participé dans manifestation ça. Donc nous sommes capables de citer AAAPA avec Haïti Thomas, gagné porte-parole Haïti Thomas Ores Dixon qui mandait aide internationale pour venir capable aider au faire lumière sous dossier ça. On écoute déclaration Ores Dixon lieutenant micro Jean-Philippe Massia. La Cour supérieure des comptes qui est organe administratif de l'État, ni un peu de l'an dans le rapport. N'a pas demandé pour envoyer le rapport Petro Caribe à l'ILCC avec ICREF qui s'est démontré qui contrôle les bagages. Et puis pour demander aide internationale en tant que monde qui m'a signé de l'ONU, nous fait partie OEA, pour demander des experts internationaux pour venir aider nous faire lumière sur le rapport Petro Caribe. Je dis, quitte l'idée blanc, quitte l'idée haïtien, quel que soit. Classe sociale où il y a des bouts épinglés en dans la pauvre Petro Caribe. Faut restituer papa ici l'argent. Et place où c'est en dans pénitentiaire national. Même je sénateur Willo Joseph te dit, pour pas qu'être nègre en dans pays, c'est maladie et qui rabioye pour pays. Pour pas qu'être nègre ou pas qu'à mettre en prison, ou pas qu'à extrader, ou pas qu'à exiler. Mais en passant, à bon cimetière, non pour nègre, parce que c'est au mal le pays. Je dis à la région Petro Caribe, acte la boule de construire. Centre de santé, l'hôpital, infrastructure routière, logements sociaux, université en dans le pays. Je dis à l'Engade, conseil université de l'État d'Haïti, qui j'en la mal dirigé, plusieurs entités en IEA, Chatoku, Inga, faculté de sciences, ethnologie. Je dis à nous besoin en université côté, petit peuple qui a formé tête li, pour aller utile société à demain. Je dis à même je nous dis, la région Petro Caribe, acte la boule de bail, tout service en dans le pays, ou équipe net dit la vie de fonds Petro Caribe, nous-mêmes, objectif final là, c'est côté cobla, faut que nous allons chercher et $50 là, et comme foncé hier acheté, n'a pas demandé le tout parce que l'argent ça, c'était l'argent qui pouvait faire développement dans le pays, quel que soit les tangentes, côté l'argent Petro Caribe, et nous allons chercher, et nous allons barrer dans la maquette. Très prochainement, il n'y a pas de faire maquette en pays, quel que soit côté, il y a soutenu le football, il y a le cinéma, il y a le bal, et le bal, pour nous chercher comme Petro Caribe. Voilà, nous sommes côté militant politique Ores Dixon qui c'est on dit président mais coordonnateur parti Haïti Thomas organisation de base disons. Sénateur Willo Joseph a fait connaître ses députés avec sénateur qui mangeait puis fois l'agent Petro Caribe. Sénateur plateau central la même mandé PMC ayant construit prison à cimetière pour mettre gauche à bras qui impliqué dans dossier ça. En côté réaction sénateur Willo Joseph dans séance ratification séant premier ministre séant vendredi passé. Premier ministre, on parle de corruption et c'est corruption qui toujours qui source problème pays d'Haïti et ça lié. Seul ça me connaît. Si tout bon vrai, vous voulez combattre la corruption, si tout pouvoir est d'accord pour faire ça, j'ai l'impression qu'il faut construire une prison. Une prison qui prend 400-500 000 personnes. Oui. Pour députés, sénateurs, juges, tout le monde. Et j'ai l'impression tout. Je vous parle, et comme c'est Willo Joseph qui a parlé, si c'est tout bon premier, ça demande pour construire un cimetière moderne. Parce que en Haïti, il y a un problème. Et Paris,
n'a pas arrêté moun pour arrêter mettre en prison. Mais gain de nèg ou pas ka ni arrêter ni exiler. Et yo c'est problème pays a tout temps existé, nous pas échapper. Alors n'en parler de arrestation, jugé, mettre en prison, nous gon ensemble de moun n'a pas arrêté, n'a pas mettre en prison. Mais nous connaît gain de nèg, nous pas ka ni arrêter ni exiler. Qui donc et tout temps yo là n'ont pas passé. Bon, et moi-même, ma claire, l'agent Petro-Caribé, je ne vais pas parler presque. Ou bien, je ne vais pas parler. Parce que je ne vais pas parler pour parler. Parce que tout ce qui a fait là, c'est bruit. Bagaille, bande de vent, manifestation, tout ce bruit toujours. Parce que le jour, il y a un jugement réel, il y a un sérieux. Puis, il ne faut pas marcher dans la rue ici. Moi-même, qui dis ça. Ça veut dire, je ne vais pas parler pour que mal. Plein de parler puis pite devant pour moi c'est oui Laurent Barod ou bien c'est oui Laurent Marron m'pa vle parler parce que moi me connais depuis les Petro-Caribé vinn ici sans pas tourner page histoire reste ba yo derrière moi connais ces députés ces sénateurs c'est un ensemble de gros nèg qui volaient tout l'argent. Moi dit depuis les Petro-Caribé vinn m'étais dans commission là m'étais député et moi songe mais du monde qui plus vole l'agence à tout c'est pas seulement la mort l'autre monde a promené non ou gagner yon lot député mais du c'est pas seulement monde a promené non yo moi dit que bon paquet de députés bon paquet de sénateurs les a marré et zèl y a poussé pour vol qui donc moi pas voulu continuer sous lui m'a suivre on comprend Blaise oui l'a dit don lot député et sénateur monde qui vole pif l'argent et député et sénateur. Non, mais si sénateur il dit ça, c'est que c'est sûr que non, il était dans la commission. Voilà. Il était dans la commission. Ça veut dire, il demande pour ta fond prison pour 500 000 moun yo. Est-ce que j'aime un député ici, non, sénateur pour prison? Bah quoi? Comme dans l'archive, on est allé retourner derrière, regarder. Mande grand yo. Est-ce que nèg ici, t'as qu'à prendre prison déjà pour corruption? Député et sénateur. Mais il dit tout le monde, il n'y a pas qu'à ni arrêter ou ni exiler. Abou ta faveur là. Bon, c'est pas capable. Oui, l'autre avec l'autre bagage, il pensait où t'es capable de ça. Toutefois, Napton, puisque la justice sous dossier, cour supérieure des comptes a travaillé sur lui, Petro Challenger, il y a même dans la rue. Gagné direction générale police nationale là qui présenté vendredi passé là, bilan opération boucler la rue était lancé dans date 13 d'août qui s'est passé là dans zone métropolitaine là. Gagné 500 chauffeurs qui étaient arrivés inspecter 400 machines déteintées. 160 véhicules sans plaque t'es confisqué d'après porte-parole PNH là. Michel Henri Jeune qui fait qu'on a été arrêté Noël Sandino, un citoyen qui était spécialisé dans bay moun faux papiers tant qu'autorisation autorisation pour tenter machine yo, diplôme baccalauréat avec de naissance avec de décès pour ne citer ça seulement. N'a pas vite écouter Michel Henri Jeune, lieutenant micro Peterson Blaise. Plan d'opération boucler la rue ça et ben nous capable dit nous à l'aise pour nous parler du bilan aujourd'hui à qui ça la police rivé fait là-dedans. Premièrement nous capable dit gagne environ 500 conducteurs té contrôlé. Parmi machines qui détenté qui pas de gain autorisation et ben nous té arrivé détenté 400 véhicules qui pas de gain autorisation pour détenté. 2340 véhicules ont été soumis à des contrôles. 1585 personnes té contrôlées et parmi 1585 personnes, 87 nan yo té interpellé pour des infractions de toutes sortes. 160 véhicules sans plaque ont été confisqués. Et parmi 160 véhicules sans plaque sa yo, qui étaient confisqués à la direction de la circulation et aussi dans certains commissariats de la zone métropolitaine, commandement la police là, à travers chaque responsable zone sa yo, te contraint responsable yo pour t'al faire plaque yo. Et véhicules n'ap gade la yo, c'est des véhicules qui encore confisqués et pour des raisons diverses que met yo pour qu'on arrive faire plaque. Dans même cadre opération de CPR là, jour qui était 11 septembre 2018 là, la police t'est arrivé interpeller Noël Sandino. Pour qui ça la police t'est arrivé interpeller Noël Sandino? Dans le cadre d'un contrôle routier, élément police routière ont eu un doute sur une autorisation de tête qui était dans même monsieur. Là ont interpellé monsieur, ils ont rentré dans direction circulation avec elle, ils ont remarqué que c'était une fausse signature qui était imité signature directeur circulation. Ils ont mené enquête là plus loin.
de concert, bien sûr, avec la police judiciaire du département de l'Ouest. C'est comme ça, M. Sandino, t'es amusé, recevoir $100, $200, 5000 gouttes, 10 000 gouttes dans la main des particuliers et que l'État baille toutes sortes de documents qu'il a besoin, des faux documents, bien sûr. Il te baille autorisation pour teinter vidéo, pour porter des gyrophares, l'imiter signature. Il était aussi détenteur d'un badge palais national. Parole.com. Voilà, je côté porte-parole PNH là, Michel Ange Lujeune. Porte-parole PNH là, Michel Ange Lujeune. Confirmé, la police dans le département site pays a metté en bas code mardi 11 septembre passé à policier. Wilkinson Piol, lui, agent 1, qui était fait partie 26e promotion PNH là. Monsieur Lujeune précisé, agent sa jeune arrestation pour braquage, vol armé, dans un magasin dans ville Okaï. Pour qu'on y a Wilkinson Piol, lui, sous contrôle autorité policière judiciaire, yo, dans ville ça, d'après porte-parole là. Plusieurs individus qui a opéré dans un village de Dieu, jeune arrestation dans le cadre d'une opération de la police te mené vendredi 31 d'août passé. D'après porte-parole là, Michel-Ange Lujeune, qui fait qu'on est messieurs, ça fait partie d'une association malfectée. Messieurs Lujeune, t'es profité, profité parler de thèse ancien joueur haïtien qui c'est Rosemont Pierre, mais le Kimbe thèse causé c'est un accident. Ti Rosemont lui-même t'a perdu la ville. On écoute Michel-Ange Lujeune dans micro Radio Méga. Vendredi 31 août, c'était week-end qui t'a précédé réouverture des classes. Et week-end ça, t'as eu une situation de panique qui t'est arrivée dans l'entrée sud capitale Port-au-Prince. Côté gain des mouns armés qui t'a tiré sur une patrouille police. Immédiatement, commandement la police là, t'es passé des instructions pour t'es gagner des interventions qui t'es faites dans le village de Dieu. Effectivement, dans l'après-midi, vendredi 31 août, t'es gagné la police, unité la police, yo, unité spécialisée, yo, tant que BIM, tant que BOY, SIMO, etc., dans un commandement unique, t'es intervenu dans la zone. Et t'es gagné 4 arrestations qui t'es faites. Parmi les arrestations, nous parlons des arrestations Alcin Véniel, 44 ans d'âge, Monsieur Abraham Whistler, 24 ans d'âge, Astré Chaldon, 20 ans, Élisée Marcel alias Bout, 40 ans, et Jules France alias Dégénéré, 28 ans d'âge. Mounsayo est arrêté pour association malfaiteur, tentative d'assassinat, et Mounsayo, autorité judiciaire avec autorité policière, a fait suivi. La police, pas une police de circonscription ou une police seulement départementale. Police là, c'est une police nationale. Et tout effort, commandement la police là, toute unité quand dans la police là, tout policier quand dans la police là, il y a travail pour yo garantir sécurité du premier au dernier grain citoyen, plus loin en dans pays. Ya. Et c'est ça nous fait. Gain des ordres à carrière, qui information nous disposer de footballeurs qui mouvent. Bon, eh bien, toute information que la police gagne, d'accord, c'est que c'est suite à un accident de circulation que l'entraîneur arrive à joindre la molle. Mais cependant, nous entendons pile bagaille qui a parlé sur les réseaux sociaux. Nous entendons pile moun qui a dit, qui a fait l'autre interprétation. Tout le monde qui a fait l'autre interprétation, moins encouragé, porter plainte dans l'instance policière, yo, avec l'instance judiciaire. Yo. Et si vous avez une preuve, l'instance qui concerne pour ça a bien content faire suivre avec un dossier comme ça. Pour l'autre raison, il a dit. Yo. Michel Lan et Louis Jeune, c'est porte-parole police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs. 13 septembre 1998, 13 septembre 2018, déjà 16 l'année pour Access Haïti, qui c'est une des premières compagnies qui a vendu Internet dans le pays. 16 ans succès d'après responsable qui va garantir. Access Haïti a continué de travailler pour améliorer la technologie dans le pays d'Haïti. Jean-Philippe Massian. 16 ans, veut dire pile bagaille. Il veut dire 16 ans de réflexion. Il veut dire 16 ans d'action. 16 l'année expérience, 16 l'année action. C'est avec Moussaïo, vice-président Access Haïti, Patrice Bayard, t'a commenté anniversaire institution ça, qui c'est une des premières compagnies qui a vendu Internet dans le pays, qui pour qu'on y a passé dans l'autre vitesse. Nous que, en termes de maturité, n'a pas reconnu pour que nous prenions une extension extraordinaire dans le pays. Dans quel sens, n'a pas gardé le pays en l'autre façon. C'est-à-dire, en termes de responsabilité technologique, nous avons responsabilité d'accompagner le pays à un niveau qui est compétitif à l'international. Commencement n'est pas facile pour Access Haïti qui était presque perdu tout matériel dans les premiers 6 mois entreprise là. Nous avons commencé en tant que Net Access en 98. Les premiers 6 mois que nous avons commencé, nous avons un seul coup de l'orage
d'éclater tout système le net. So, joue ça, il était qu'à décourager nous, mais nous pas décourager. Et j'ai mettre du nous tout à mettre du nous maman qui était là pour ben nous support moral là. Il était travaillé avec nous en tant que chef financier, chef comptable. Et il était faire toute présentation ben là pour nous, jusqu'à ce que nous venions nous prêts encore, et puis nous redémarrer encore, nous marier cette nous. Et puis nous là, je dis, avec un réseau de plus de 200 towers. Malgré un début difficile, avec un pile détermination, Access Haïti, rivé couvrir environ 60 communes dans le pays d'Haïti, tant que dans toutes les institutions publiques ou privées, banque centrale, ambassade et la trier. 50% internet pays d'Haïti passe à travers réseau Access Haïti. Nous avons tous les chefs lieux dans tout le pays et ça permet nous de servir les plus grands consommateurs de l'internet du début de l'internet en Haïti à nos jours. Nous avons des clients qui avaient nous depuis jour 1. Je parle des grandes institutions, de la BRH aux banques privées. On a parlé des ambassades, des ONG et les plus grandes entreprises. Après tout succès, qui sont pensés que mérite améliorer l'entreprise la Patrice Bayard? Investir plus. C'est plus pour nous investir. Technologie à pas camper, connectivité. Nous ne pouvons pas limiter nous seulement à connecter à Internet, mais il faut que nous ouvrions l'opportunité à le développement des infrastructures technologiques. Nous travaillons de concert pour nous baisser à l'autre niveau en d'un pays. Aujourd'hui, nous croyons que nous à la pointe de la technologie à tous les niveaux, vis-à-vis résidentiel, vis-à-vis entreprise, nous ne pouvons jamais camper, nous ne pouvons pas droit camper, parce que nous avons responsabilité envers marché haïtien. Fondé 13 septembre 1998 comme Net Access, Access Haïti rive imposé le sous-marché à la vente connexion Internet au débit. Ça qui place l'institution ça comme plus gros fournisseur technologie ça dans le pays, d'après Patrice Bayard, qui bail garanti, il a continué travail pour améliorer service Internet là en Haïti. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Merci Jean-Philippe Masséan. Moment arrivé pour nous faire place avec ou même Jean-Philippe Masséan. Pour rubrique parole collectivité, matin lundi 17 septembre 2018 là, Jean-Philippe Masséan pral mener nous dans 8e section Joli Trou qui trouvait dans plaine du Nord, côté pral parler avec Kazek section ça qui c'est Célestin Nicodème, li pral parler nous de situation 8e section Joli Trou qui trouvait dans plaine du Nord lui-même jeudi à habitant dans zone ça a connait a fait face. Mais à 6h40, Salomon Sedmé, dans l'espace invité journal là qui c'est parole équilibrée, la bien voulu recevoir député Gangouave là qui c'est Jean-Marcel Luméran. Bonne écoute tout le monde. Chaque matin, Radio Mega passe la parole by autorité locale pour venir expliquer qui problème y a confronté dans commune, qui ça qui gagne comme potentialité, qui ça a besoin, qui ça a pas gagné. Parole collectivité, yon façon pour faire voix moun qui plus loin passer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique Parole Collectivité. Jeudi, nous allons aller dans le département Nord Pays. Nous allons aller dans la section communale Joli Trou. On apprécie voir Yun Nakazekyo et qui va parler avec nous de comment section ça y est, comment y a évolué, qui a présenté nous en gros section communale ça. Kazek nous salue, présentez tout pour auditeur Radio Mega. Bon, je salue tout le monde dans le département Noir, je salue tout le monde dans la Radio Mega. Moi, même si c'est Célestin Nicodème, Kazek, qui est section Joli Trou, commune de la Gaspésie du Nord. Kazek, vous êtes coordonnateur Kazek ou bien vous êtes une là dedans? Moi, je suis coordonnateur Kazek. Présentez-nous section ça, Kazek. Comment vous présentez auditeur Radio Mega et section communale Joli Trou? Bon, section communale Joli Trou, l'hôpital Gaspésie du Nord et de mon hôpital Gaspésie du Nord, nous limitons nos données qui bouillent. De Kébouya, de vos films qui étaient Kébouya, ont commencé à rentrer Joli Trou. L'arrivée, on passait sur un pont et on rentrait dans le couloir qui est dans Joli Trou, mais ils vont carrefour, c'est carrefour, ça continue à monter, Joli Trou toujours, mais on jouait avant la section de Gambad. Une fois qu'on est dans la section, ça doit aller, qu'on a sur route pour aller bas. Mais de vos films qui rentrent dans Joli Trou, bon, peut-être Joli Trou, c'est une zone verte, les gens qui ont l'habitude de rentrer dans Joli Trou, c'est une zone verte qui est très couverte. Mais c'est une zone qui, alors, qui pas pour le bout bagarre à thème de facture andal, mais pas gain électricité, nous gagnons électricité dans notre partie qui gagne électricité, alors l'autre zone nous sont zones vraiment désolées. Mais à présent, nous avons une section qui est vraiment en paix, une section et un peu le monde par aimer visiter Joli Trou, parce qu'un peu l'ONG fréquenter Joli Trou, c'est une zone qui est ici production ananas, c'est une zone qui gagne un peu ananas, on va, et dans le département Noir.
D'abord, d'où ça? D'abord, d'où comment qui ça nous produit plus? Ou dit mais c'est ananas nous produit plus dans la section? Nous produisons toutes bagailles, mais particulièrement ananas, c'est un qui va voir le marchand de Yolitou. Et chaque année, plusieurs marchands et faisaient Yolitou, ils achètent ananas pour les bonnes choses. Et pas seulement ils vont souillir, mais nous connaissons tout le pays qui a acheté plein d'ananas, même qui est-ce que joli trou nous gagnons et santé comment ça est au niveau santé? Bon, au niveau santé, alors nous avons une population près de 10 000 habitants, mais nous avons une santé privée qui fait un peu le service dans la section. Alors ça, nous avons notre santé publique, plus ou moins publique, mais c'est une ONG qui va connaître. Actuellement, ça fonctionne assez bien. Et pour l'école et mon section, est-ce que y est obligé de descendre dans boucle pour venir l'école ou bien nous gagnons l'école nationale ou bien lycée en l'air? Bon, environ à peu près nous avons même 4 ou 5 écoles nationales et nous avons un troisième cycle qui a fonctionné dans la zone là. Mais ça va rappeler que j'ai quelques petits monde qui allaient descendre l'hiver quand même, qui a ici à peine de l'instruction. Ah ok. Nous comprenons. Donc et au niveau santé, ça va pas mal, et bon, éducation, tout. Mais, et infrastructure routière, est-ce qu'il y a une route, routes asphaltées, ou bien c'est des routes en terre battue, nous gagnons? Bon, comme, allez, je sais que tout le monde dans le pays, c'est des routes en terre battue, qui pas bon du tout. C'est route, les gars, la pluie, ça est fréquentable. Bon, bon, c'est pour s'allier dans la zone, pas de route, quoi. Mais est-ce que nous n'avons pas fait des modes dans ce sens-là pour et section communale là et arrivé et gagner route normale là-dedans? Bon, nous pouvons faire des modes, mais nous avons gouvernement et à l'oral, nous pouvons faire des modes à droite et à gauche, mais pas de répondre. Il y a un cas qui a fonctionné dans notre pays, bon, c'est pour plus sous qui a fonctionné sur lui. Bon, pas gain, le pouvoir central va débloquer rien qui permet de faire fonctionner bien dans tout pays. Oui, c'est situation ça parle avec un pile Kazek qui parle nous dit ça. C'est même réalité pour nous même Kazek et joli trou, nous pas nous gain arrière salaire, nous pas toucher à temps, il y a pas débloquer fonds pour nous. Non, pas gain. On Kazek presque série des populations qui vont de là, parce que pas gain on Kazek qui. Pas gain on Kazek, bagaille difficile. Très très difficile. Mais qu'on y a Kazek gagnant et caravane changement qui était passé dans nord, est-ce que gagne bagaille qui fait dans section communale ou? Zéro. Jusqu'à présent, au départ, nous avons eu des tracteurs là qui ont commencé dans la route. Et parce que j'ai eu du coup une section gambat là, bon, bien d'être dans le tracteur, ça allait, pas gagné. Donc, il n'y a pas fait rien là, ça va pas faire rien? Oui, là, il n'y a pas gagné. Ok. Mais, on monde qui dans la diaspora ou bien à travers le pays, qui t'a aimé visiter Joli Trou, qui ça, ou pensez Joli Trou, Kavani, ou bien qui côté nous amène mon al visiter, par exemple? Actuellement, là, nous avons cassé la route moderne, nous avons construit Joli Trou, qui veut dire, nous n'avons pas fait propagande pour cassé la route déjà, mais plusieurs mondes n'étaient pas bonnes là, nous avons fréquenté les zones, pour ouvrir cassé la route moderne, ça, qu'a construit là. Cassavre moderne, veut dire qui ça? Côté où fait cassavre ou mon captain de vous? Côté où fait cassavre. Mais avec dit cassavre là, fait partie des productions et sections déjà? Oui, il commence à fonctionner. Bon, il était ONG qui était en backup, il était venu voler tel quoi, mais qu'on y a l'autre ONG qui a pris un autre backup et qui a permis de cassavre que nous parlions pour aller en l'autre caractère qu'on y a là. Ok. Mais on va aller. On va mettre tout paysan planté plus mal parce qu'on est paysan au vivre complètement de l'agriculture. Ok. Donc, manioc là qui produit cassave là, et nous obligés nous faire l'empile l'autre bois. Oui, on fait l'empile, mais si bien de moyen, on peut acheter le plus bon et pas bon dans le département pour produire et puis trouver marché tout pour cassave là qu'on va le marchand dans la commune. Cassave ça ou vend dans la section, dans la commune seulement, ou bien nous, ça qui arrive, nous vendre l'autre côté dans le pays. Oui, il y a des machines qui parlent, elles vendent dans le marché Saint-Raphaël, elles vendent dans le marché Baron, elles vendent même dans le marché Tondon. Mais on pense que c'est un produit et tant que ça savent là, nous fait un pile comme là-dedans qui est capable d'aider et répondre à besoin familial. Bon, bien qu'il n'y ait pas qu'à ça pour ça, mais il y a quand même répondre à besoin, à certains petits besoins. Pourquoi n'y a pas une connaissance autorité au Pral Tando là, Kazek, qui sont vous pensez comme et section communale ou à ta plus besoin et comme et bagaille l'État qui a fait pour nous? Bon, en réalité, en termes d'infrastructure, nous cherchons un problème. Et notamment de l'État, dit nous qui font beaucoup de permettre Kazek au café développement dans un niveau, par exemple, nous avons besoin de loisirs.
et dans section on va un petit besoin comme si je ne semble épanoui pas de côté de Chita on pas de côté et naturellement nous besoin route parce que nous avons une zone qui vient là avec là bon l'église qui naturellement il vient presque infréquentable parce que pas de route. L'église n'a pas construit, n'a pas de l'État haïtien pour travailler de nous. Nous pensons que si l'État haïtien débloque fonds qui permettent de fonctionner, nous pensons qu'il y a une construction communale, au moins qu'il y ait un développement de la Cali et qu'il y ait un développement qui dévote vraiment satisfait de besoin. Ça veut dire que nous n'avons pas de place publique et nous n'avons pas de terrain de football pour nous distraire. Oui, nous n'avons pas de ça aussi. Rappelez-moi combien de population est-ce que nous avons près de 10 000 personnes qui ont aujourd'hui. 10 000 personnes. Majorité jeunes. Oui, majorité jeune. Mais est-ce que diaspora et les gens qui sont dans la section, qui l'autre bord de l'eau, bah, écoutent en développant dans la zone? Bon, naturellement, ça aussi là, il n'y a pas plus même, pas qu'on recevra un coup de main de la badeau dans la section. Nous n'avons pas fait une proposition à tout? Bon, de manière minime, il y a un calé tout partout. Ok. Nous comprenons, mais est-ce que grand pile côté là dans le pays, un jeune, il parti, soit le Brésil, Chili, constat pas différent pour la section Cotoéa? Non, pas différent. Il y a une majorité de jeunes qui calé Chili, Brésil, et même en République Dominicaine. Ok, il y a un pile? Oui, il y a un pile. Eh bien, quand c'est que m'kwa autorité ou pas le temps de ou, pour yon capable ou essayer à débloquer fonds pour nous, même si c'est pas celle nous même qui n'a réalité ça. Et n'a seulement remercié ou parce que t'es disponible pour Radio Mega. Merci Radio Mega, c'est moi pour remercier ou. Paul@palais.com. Bonjour Haïti, bonjour le monde. Jeudi, c'est lundi 17 septembre 2018. Nous contenter la caillou avec premier numéro rubrique parole équilibrée dans journal méga matin pour ce maintenant rubrique ça il va entrer la caillou grâce à support toute équipe là collaborateur nous Samuel Dorima fait toute manœuvre technique en Haïti Didier One Chopam dans Miami des micro pour capable servir depuis Port-au-Prince c'est toujours moi-même Salomon c'est de cap souhaiter une très bonne écoute une excellente semaine sur antenne radio méga. Jean nous t'a annoncé l'invité nous matin c'est député Gangouave Jean-Marcel Luméran avec lui nous pral commenter actualité hein. Député Jean-Marcel Luméran, bonjour, bonne semaine, bienvenue sur Radio Méga. Bonjour à tous les amis auditeurs Radio Méga, c'est un plaisir pour nous matin l'autre fois pour nous sur antenne radio pour nous partager certaines données relatives à l'actualité politique pays. Donc, on salue tous les amis qui, à travers l'antenne, s'attendent de nous et nous souhaitent passer un petit moment qui peut déranger. Et finalement, un week-end qui était vraiment surchauffé dans le Parlement haïtien, que ce soit au Sénat de la République et à la Chambre basse, député Jean-Marcel Luméran, pour le Sénat République, 21 votes pour. Gagnent 5 votes contre, gagnent des abstentions et pour Chamba Kipiba, gagnent 84 votes pour, 5 contre à 4 abstentions. Qui ça yon vote pareil, vledi pour député? Bon, vote là, on dit marqué yon volonté pour yon fini avec situation qu'il a, surtout avec M. Lafontaine. Pas quoi c'est parce que tout est correct pour M. Séan, mais c'est plutôt à partir de cris population ont exprimé, des parlementaires qui sont des représentants dignes de population, ils comprennent la nécessité pour mettre frein à le travail qu'a fait là avec M. Lafontaine. Parce que deux mois qui passent là, il y a plus de gargotes qui fait l'administration publique là. Qui même pendant 18 mois, M. Lafontaine a dirigé. Donc, si nous quittons le temps passé davantage, c'est encore un cadre blanche, nous, bah, l'équipe Lafontaine, pour continuer à piller caisse l'État. Donc, c'est un souci ça qui fait que, je dégage, je dis, bon, même si tout n'est pas correct, donc, d'avoir accepté que le gouvernement soit installé et des corrections apportées au fur et à mesure. Donc, ministre qui est dans le gouvernement, M. Seyan, c'est parce que tout dossier est conforme à la réalité. Moi, je crois tout bon vrai, mais c'est un bénéfice de conjoncture là, avec l'ensemble de ministres. Mais nous autres, au niveau du Parlement, au niveau de la Chambre des députés, nous avons gagné des remarques. Malheureusement, le président Bordeaux qui t'a appelé CES là, pas mettre la à hauteur pour te permettre des débats au fait. Ou gagné des tensions qui soulevaient, mais. C'est un vote probablement que nous devons avoir qui va le bail
dans ce sens-là, nous avons des réserves que nous faisons. C'est ça que fait des collègues qui font voter contre, il y a des collègues qui font abstention. Voilà. Mm-hmm. Et qu'a débuté Jean-Marcel Lumiran, vote par la Talène en quel sens? Abstention, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que moi, dans KID, qui c'est un parti qui est lié à pouvoir avec un ministre qui a proposé, moi, sorti Grand Gouave, député de Grand Gouave, population dit moi par rapport au gouvernement passé à qui était en face aujourd'hui afin de pas mettre en face un gouvernement pour venir donc pour la population demande de voter pour qui demande de voter pour et même maintenant G16 qui était en cohérence et moi qui était principal acteur interpellation monsieur Lafontaine gagné trois ministres qui retournaient dans le gouvernement même si ils justifié dans le gouvernement où était entré sans qualité à dans le gouvernement passé aujourd'hui c'est un nouveau gouvernement il répond à toutes normes yo. Mais parce aussi de cohérence, de constance, nous dit bon, le fait même que nous pas d'accord avec un homme abandonné, et que même si on vient satisfaire à toutes conditions aujourd'hui, hein, il n'est pas normal pour d'après aller de manière démagogique accepter et voter pour eux, et de plus, pas même un débat, même qui pour justifier et peut-être ou en disposition par rapport à ça dont on est capable de présenter comme argument au niveau de la Chambre des députés. Donc, dans ce sens-là, nous dit bon, en attendant que l'équipe est capable de montrer nous le contraire, donc nous avons observé et pour nous capables de mieux positionner dans le temps. Mm-hmm. Et que bon, mon vrai sens, c'est votre abstention, député, et dans la mesure où quand même, il y a des gens qui étaient plus souhaits dans le monde, qui vont voter contre, ou dit c'est vrai que les gens qui sont dans la zone, ou parti politique, ça qui ont été demandé de voter pour, mais ou voter et ou faire abstention. Mais là, Kounia, essayez de justifier abstention ça. Qui côté qui fait que c'est abstention fait débiter? Non, moi je fais abstention parce que moi je voulais aller en collusion à parti politique, moi qui demande pour moi supporter yo. Et on comprend bien des députés comme collègue Sinal qui fait des points de droit fondés. Et moi, j'étais dans une situation que moi pas capable et démonter le secrétaire général du parti qui vit le ministre. Là. Donc, moi, j'étais dans une situation vraiment embarrassante. Donc, je ne voulais pas mettre mon porte-à-faux. Donc, moi, je dis, par société, moi-même, vote, moi, c'est contre lié. Mais comme yo négocié yo dit bon yo supporte pouvoir et que yo pas d'avle montrer qu'il notre discordante au lieu moins fait on abstention comme yo sûr que me pas voter pour donc et on vote de contre au lieu yo sûr que me pas voter pour donc mieux vaut que me faire un vote abstention et c'était connu avant ces gens ça que me pas faire abstention parce que moi pas capable de voter pour le gouvernement ça avec monde qui est égal. Il y a des monde qui attend là tout député car juste comprendre par les faits qui quand même un parti politique qui gagne ministre dans gouvernement, c'est peut-être présence ministre voilà faut pas voter contre tout. Non, c'est pas du tout ça, c'est un souci parce que ou elle comprendre que la position a été partagée au niveau du G16 parce que nous avons une situation on dit c'est vrai. Nous voulons respecter les règles du jeu, mais nous comprenons tout gagote qu'a fait l'administration publique pas qu'à encore. Donc, information nous gagne à travers les antennes de l'administration publique, nous comprendre que il y a trop désordre aujourd'hui à qu'a fait. C'est comme si, et même le monde qui est l'administration publique, vous dit, ah, les amis, dégagez, nous voulons le gouvernement ça aller, parce que ça a fait pas qu'à encore. Donc, nous-mêmes, comme par souci pour nous permettre que le pays a qu'on souffre, par souci que nous permettre que l'administration de la rue des marées nous dit bon, nous ne pouvons pas le et tête avec le gouvernement parce que je vous dis, si nous comprenons bien, nous avons gardé qualité et information qu'a sorti sur le monde qui est ministre. Nous disons, nous avons fait 5 ans, nous avons cherché le monde pour nous faire 18 pour nous faire ministre, nous ne pouvons pas le faire. Parce que chaque monde va voir toujours des déficits. Imaginez que c'est après 11 ans qu'on nommé. C'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui vont payer des impôts et des taxes. Donc, à ce niveau, vous pouvez comprendre qu'il y a des écarts. Pas rien des citoyens vraiment qui conforment à toutes les normes. Donc, ça vient de faire que nous disons, c'est vrai, tout n'est pas OK, mais n'a pas accepté de plier et permettre d'avancer pendant que n'a toujours mis en situation pour nous exercer notre mission de contrôle. Mm-hmm. Mais là, il y a des gens qui estiment qu'il n'y a pas trop de différence, député, dans la mesure où nous avons fait un peu le reproche avec l'ancien premier ministre, alors ou bien ministre démissionnaire, Jacques Guélafontaine, qui a un problème fiscalité. Je dis, par exemple, regardez depuis le ministre, j'en signale le sait que tout n'est débarqué dans le DGI pour aller faire ça qui a un rapport avec payer taxes et autres, ou constater
qui c'est à la veille lorsque au fin nommé comme ministre quelque part député et jusqu'à côté qu'on est arrivé là. Bon, c'est pour montrer où problème et faiblesse administration fiscale. Ça pas oublier que nous gagnons un système fiscal déclaratif qui fait que c'est le citoyen qui dépasse sa propre volonté qui allait et dans l'administration payer impôts et taxes. Malheureusement, culture de pays a pas dans mentalité. Nous pas énormément qu'un pays si payer les impôts et les taxes on va y contraignant. Mais en Haïti, lorsque vous n'avez pas de moyens pour contraindre les gens dans le pays à temps, vous avez toujours des difficultés. Malheureusement, vous avez des commissions qui travaillent de manière bâclée, qui n'ont pas approfondi le travail pour vérifier que est-ce que les gens, même si vous payez en retard, vous faites payer à moins de pénalités que la loi exige. Parce que lorsque vous payez en retard ou vous faites fraude, non seulement vous avez redressé le montant que vous payez, mais vous avez payé 50% comme surtaxe pour faute pour fausse déclaration qu'on a fait. Maintenant nous pas gagne données ça on a maintenant pour nous vérifier effectivement que gagne correction que t'es porté. Donc nous en situation pour nous dire non tout le monde va dire bon je dis à monsieur ça camper comme des monde qui a bloqué des monde qui a crasé pays etc. Donc nous dit nous pas à montrer que nous pas non situation d'opposition stérile mais nous pas pour l'entrer non plus non collaboration servile parce que étant que nous voilà accepter toute bagaille pour vrai alors que nous connaissons rien pas bien marché donc dans ce sens là nous disons de manière intelligente n'a fait valoir point de vue non mais en aucun cas nous pas ouais que gouvernement ça capable d'ailleurs moi analyse déclaration de politique générale là nous ouais c'est un cahier et qui présente un ensemble de promesses, un ensemble de souhaits comme à l'ordinaire. Et ou pas ouer quel côté que le Premier ministre entend disposer de moyens pour le mettre en application. Lorsque le Premier ministre dit, dans chaque département, dans court terme, à court ou à moyen terme, la construit 100 km de route, ça fait 1000 km de route libre à le faire dans le pays. Ya, à court terme, ça veut dire avant 2 ans. Donc si on dit à ou le faire ça, il faut qu'on identifie. Ou d'identifier quand l'argent a sorti. Donc, là, on pose la question, vous dites, côté moyen, ça a sorti, donc aucune réponse. Ça veut dire, c'est de toujours des promesses, des bagages, mon darin, mais tendez, vous toujours dit, à fait, mais vous voyez, on définit les moyens d'action qui pourraient permettre, effectivement, de réaliser ensemble de perspectives qui définit à travers deux déclarations de politique générale, là. Paul@palais.com. OK. Et 100 km de route par département et qui différence entre par Jacques Lafontaine comme elle dit. Et bon, monsieur Lafontaine c'est tellement metté par metté chiffres. Lafontaine c'est tellement metté chiffres, lui-même il pas metté par département, il était metté par zone cité. Bon malheureusement pas quantifié yo de manière globale ça pour comparer yo. Mais ma voix c'est pas différent. C'est pas différent. Politique générale en Haïti, où c'est on recueille, même si c'est qualifié, on recueille des mensonges, parce que c'est des bagailles. Ou à des populations qui ne peuvent jamais réaliser. 6 mois après, 1 an après, ou à questionner le gouvernement, ou à voir que rien va évoluer. Or, bon, premier ministre a pris un engagement sur yo. Moi-même, moi, dit premier ministre, étant donné que c'est quelqu'un qui a une volonté pour le président pays, il y a un opérateur, parce que le président, c'est mon wap différent, il y a un opérateur comme premier ministre, nous allons garder à l'œuvre pour nous réellement, est-ce qu'il méritait de vote que la population en Bali à travers ses représentants, ou bien est-ce que l'État et la population doit être questionnée pour qu'il n'y ait pas de voter comme président de la République, parce qu'il y a une volonté réelle et moyen d'action pour garder satisfaction à problème population. Bon, très sérieux là, député. Entre Jacques Guilafontan avec notaire Jean-Ricien, qu'est-ce que c'est que tu as capable de mentir? Qui t'a capable de plus? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a une capacité pour d'abord plus mentir? Bon, pas comparer mon yo en termes individualistes, même t'as qu'à dire plutôt, monsieur Seyan qui a un élément beaucoup plus favorable à lui-même par rapport à monsieur Lafontaine, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas inconnu du monde politique, alors que monsieur Lafontaine, c'est un monde qui est dans le privé, donc il n'est pas connu en way politique. Yo. Moi, quoi, il y a un collègue qui monte au tribunal, il dit, monsieur Seyan, mon nom pays dit, il y a 20% de monde dans le pays qui dit c'est menteur. Il y a 80% de monde qui dit, 70% de monde qui dit c'est un monde sérieux. Il y a 10% qui est indécis. Donc, nous avons souhaité effectivement
taux de mensonge là puis a passé ça ta gain comme niveau de sécurité la Kaili. Donc on pas qu'à comparer yo parce que beaucoup mettez monsieur c'est un peu à l'œuvre. Monsieur Lafontaine pas dit c'est menteur lié même dit c'est quelqu'un qui a été incapable, qui a été incompétent, qui ne connaissait pas les royaux d'administration et qui permet que pays a dans toute sphère lui arrivé bloqué. On va le comprendre l'administration était bon lourdeur la donne. On va le comprendre tout que monsieur Lafontaine était incapable pour répondre à cri population hein, aujourd'hui hein. Moi croyais monsieur Seyan doit entrer dans une situation pour le réaliser des programmes d'apaisement social qui pourraient permettre que lui atteigne d'Acadie et puis font pays en termes d'action rapide, concrète et réelle. C'est parce que dans tête mon ordinairement yo plus ouais politicien comme des monde qui gain plus capacité pour bail mentir que peut-être un monde qui dans secteur privé. Moi, je ne vais pas le comparer. Donc, mentir, moi, t'as qu'à dire son élément que n'importe qui monde, dépendamment de son véhiculé comme, comme objectif, comme perspective, ou capable de faire. Moi-même, moi, dis, monsieur, c'est un nous de prendre le temps mis à l'œuvre. Il prend des dispositions, donc pas avant que il commence à poser des actions, donc on peut dire effectivement c'est quelqu'un qui a pas menti ou bien c'est quelqu'un qui a agi vers la vérité. Donc là, c'est nous valer le bénéfice du doute que aujourd'hui il va officiellement prendre fonction comme premier ministre, donc il va commencer à exercer sa fonction de premier ministre. Donc à ce moment-là, donc on va analyser l'ensemble de ces actions au fur et à mesure pour réaliser dans quelle direction elle veut aller. Si nous bien comprenons nos députés, jeudi un vote pour l'an qui sont abstention ou fell, c'est pas les faits ou estimés dans gouvernement et démissionnaire la guerre trop gagote qu'a fait ou obligé même si conditions pas réunies. Ou gen des ministres qui gen problème fiscalité, ou gen l'autre problème encore par le fait nous t'ai interpellé des membres dans gouvernement ça et qui encore reconduit, c'est exactement pour remplacer Jacques Guy Lafontaine rapide qui fait ou voter Jean voter à débuter. Moi-même moi crois que le fait qu'on t'ai interpellé au gouvernement c'est comme sous une nouvelle loi fiscale. Nouvelle loi fiscale n'est pas souffrir d'attente parce qu'elle répond à des besoins urgents, des besoins immédiats. Lors d'interpeller le gouvernement pour parler un vote de censure, c'est qu'on dit ça ne va pas, il faut le remplacer automatiquement. Donc deux mois après, ça traîne un drop. C'est comme si on conservait même case de départ là, malgré ou de constater qu'on urgence, qu'on nécessité pour changer. Donc nous-mêmes, nous croyons que le temps a joué favorablement à M. Seyan. Et l'opinion aussi a joué favorablement à M. Seyan. Qui montre que nous-mêmes, comme parlementaires, tout en voulant respecter les normes, les principes, faut que nous ajustions par rapport à l'opinion publique, là, par rapport à la population. Hein. Je ne veux pas pas montrer que c'est des vies. D'ailleurs, il y a des gens qui commencent à ban qualificatif comme des gens qui ont crasé. Donc, nous ne pouvons pas mettre dans l'eau des gens qui ont crasé, dans l'eau des gens qui ont fait l'affaire d'une équipe ou d'un groupe. Nous avons montré qu'en aucun cas, c'est pas craser une besoin craser, c'est pas une opposition farouche qu'on veut avec le président. Tant qu'on a des collègues qui disent depuis, c'est président Jovenel qui choisit un monde, il n'y a pas voté. Nous pas dans le niveau ça, nous disons nous-mêmes, nous disons n'a voté en fonction de qui ça qui nous a dit devant nous, en fonction du principe et règles du vote là. Maintenant, nous votons abstention et nous te dit au départ, depuis le jour même où M. Seyan a été désigné, nous te dit Monsieur Seyan rencontre moi-même personnellement, moi dis moi pas qu'à voter pour lui si jamais il gagne des ministres qui dans l'autre gouvernement qui continuent entrer dans le cabinet. Donc c'était un vote connu d'avance. Moi pas comme par respect de l'amitié, par respect de mes mandants, par respect de mon parti et moi crois que par respect pour tête moi tout, moi dis moi pas pour le mettre en situation pour mal faire obstacle. Et fondamental, vous me faites une opposition frontale avec cette équipe. Donc, m'a mettre à l'œuvre, m'a observer pour que dans le meilleur moment, pour nous capables de prendre des meilleures dispositions par rapport à l'action que l'équipe va poser. Avec qui ça nous capables d'attendre nos députés, lorsque Jean me dit tout à l'heure là, il m'a répété, nous voter des ministres qui chargent avec problème, si tout ça qui a un rapport avec la question taxe. Qui connaît avec qui ça n'a pas tant nous par le fait que nous connaissons un pays qui fonctionne avec taxes, faut que citoyens payent pour l'état jeune moyen lorsque connaît nous bail des nèg mandat
côté yo occuper des fonctions importantes dans le pays, qui ça n'a espéré qu'on y a, qui signale nous les citoyens yo même. Bon, si on ne va pas dire rien, c'est que l'on les gouss est responsable et que ou en situation pareille ou pas un déficit de moralité. Comment ou même qui pral mande yon contribue pour acquitter le service de vente alors que regardez on va même mettre là sous pas ta privé là ou pas ta payer ou même donc ou un déficit de moralité et c'est un problème d'éthique, un problème moral qu'il pose pour quelqu'un qui se trouve en situation pareille. Donc c'est là qui t'a dû gagner même parce que il y a nécessité pour que même gens gagne nécessité pour faire une campagne de sensibilisation au moment des élections pour essayer aider moun yo dans choix qui a opéré, mais nous besoin tout gagner un campagne de sensibilisation en matière de fiscalité pour inciter les citoyens à s'acquitter de leur redevance. Parce que je vous dis, nous croyons, même poser question, même au niveau du Parlement, même nous autres parlementaires, gagner majorité, une bonne majorité là-dedans, ou apporter que chaque fois besoin à remplir certaines obligations qui vont arranger, ils vont payer moins pour payer en taxes. Donc, moi, quoi là, et question ça, sont questions qui méritent que tout le monde agisse sur lui et qu'il y ait une campagne vraiment qui fait pour sensibiliser tout citoyen à acquitter ou de redevance pour que, à l'avenir, culture de payer taxes là, les vins pénétrer nous, le traverser nous et que nous prenons la meilleure disposition possible. Mm-hmm. Est-ce que ça pas ton des autres de députés, par le fait que nous avons une administration publique là, ordinairement fait à 4 heures? Et puis, quand il y a gardé 8 et 9 heures, DGI ouvert pour la presse et voir comme dans des gens qui prennent le ministre. Est-ce que quelqu'un parle pour des ordres? Non, c'est plus qu'un des ordres. C'est plus qu'un des ordres. Et là même, directeur général de la DGI a gagné une explication pour le bail. Parce que tout le monde connaît ni une administration n'a pas de particularité. Et tout le monde veut conformer aux normes et aux heures de fonctionnement de l'administration. Donc, c'est vraiment anormal pour les 9h, 10h du soir qu'il y a un ensemble de citoyens, de monde, parce que ils ont appelé à remplir aux fonctions, qu'il y a de séances d'acadie extraordinaires de travail qui fait, qui obligent des employés pour arrêter. Pour recevoir déclaration en main. Donc là, moi, je pense que ce n'est pas normal. Et parce que l'administration dit de manière globale et que chaque citoyen a le même droit pour solliciter services dans les mêmes conditions. Donc, pas gagner une particularité pour un citoyen donné. Donc, alors que, moi, je ne sais pas un bon matin que on lève et on dit libre le ministre. Donc, ça veut dire, avant même que vous désigniez, vous choisissez, mettez non mon ministre. Sous papier, mon a au moins quelque part été contacté. Et si mon a été contacté en perspective de la ministre, il connaît un ensemble de conditions à respecter. Donc, il faut qu'il te respecte ça avant même que le monde qui a autorité pour nommer là, te prenne décision ça. Donc, même penser son manquement, son légèreté à la fois du président de la République et du premier ministre, parce que c'est eux-mêmes qui les premières autorités à décider. De éligibilité moun yo choisi yo parce que c'est yo bien décidé en tout premier lieu le parlement il a les mêmes comme un contrepoids pour vérifier est-ce que tout ça au dio doit être respecté mais dans un pays qui a marché sérieux qui respecte les lois parlement va même arriver dans situation où la digue des ministres qui pas rempli conditions parce que moun qui gagne autorité pour faire ça avec équilibre a déjà passé au PNV et décidé qui est moun qui a capacité ou pas pour avancer. Député Jean-Marcel Luméran ou fait partie d'un groupe qui gagne là dans 16 députés. Et pendant tout processus, nous t'es en contact avec nous. T'es un document qui nous a élaboré. Dans quatre documents, ça nous t'a pral exprimé position commune bloc là. Sous question EPM. Qui ça qui explique que document m'a connu par un public ou bien par officiel? Paul-la-palais.com. Non, dans le moment de discussion, yo, t'es venu gagner des opinions partagées. Et au bras, ouais, que, à un niveau, nous t'es gagné 8 sous 16 qui t'es gagné en position, que moi-même t'es signé la dernière, collègue Manez, collègue Bossé, etc. Mais y a des autres collègues qui disent, ah, monsieur, par rapport à ça qui a venu là, et par rapport à souci pour ne pas constituer un obstacle, et en nous garder qui s'est venu avant même qu'il nous positionne. Donc, nous avons une situation, nous attendons les derniers moments pour nous positionner. Nous.
à la dernière rencontre où collègue Judy Will là pour nous finaliser des dispositions, il y a plusieurs là-dedans qui pas te répondre, donc ça veut dire que position intérité m'daka dit non officielle, donc parce que nous pas voulu présenter un document, c'est non 16 qui gagne en groupe et puis c'est 8 qui signe et qui pas de et ça fois point c'est 8 dans collègue G16 qui gagne m'daka dit une position qui t'a reflété en partie et logique de départ. Nous avons gagné 4 là-dedans nous qui votent contre, 4 là-dedans nous qui fait abstention. Moi-même, décollé, nous fait abstention parce que gagné de rapprochement qui fait autour de nous et nous te dit en aucun cas nous pas qu'à voter pour. Nous dit nous bon, nous c'est des équipes, nous besoin nous, il y a besoin de support nous, mais nous pas besoin de couper pont avec eux. Bon, nous comprenons, nous dit pas un problème. Nous pas non situation d'opposition stérile dans comme dit déjà. Donc nous qu'a toujours tendé nous dans politique là c'est pas un bagage qui est rigide totalement, il y a un minimum de flexibilité. Donc nous dit nous quitter porte pour nous capable discuter avec le gouvernement si libre aller bien, pas aucun problème. Non si demain nous réaliser que les actions du gouvernement tendent à changer réellement et situation peuple haïtien que nous décider appuyer le 100% pas un problème. Mais comme ça tout si nous voyons que l'action pour le poser, c'est même bagaille qui t'a fait avec Guy Lafontaine, c'est même des autres là, même gagotte là, et nous avons proposition officiellement pour nous dire nous pas nous démarquer nous avec l'action gouvernement, ça va le faire. Donc, pas de gain une position qui était officiellement retenue par les 16 et nous déplorer ça. Et même si en pile dans nous, collègue Bossé, collègue Manès, collègue Xantus en particulier, taboumé pour que nous te positionnions de manière officielle. Nous pas arrivé capable de signer un document pour nous démettre le public. C'est ça que fait. Nous te quitter que chacun s'exprime librement au niveau du Parlement. Nous avons deux collègues qui étaient absents dans la séance pour des raisons personnelles. Collègue Fikier Julien de la Carrière qui gagnait des problèmes. Avec collègue Roger Milien qui voulait voyager pour question de santé. Donc après ça, nous 14 qui étaient présents. Nous te connaissons un bon vote qui était certain. Pour M. Seyan, c'est le vote du député Claude Luc Guillaume de Rémy Haïti. Mais les 5 autres votes qui exprimaient, ils étaient libres pour voter soit pour soit contre. Mais nous avons dit dans l'ensemble, si nous pas d'accord, si nous tous pas d'accord, nous voter pour ou bien pour nous voter contre, on nous tous fait abstention. C'était ça, nous avons dégagé comme perspective, malheureusement, pas réalisé. Il y a des collègues qui pensaient qu'il faut qu'ils fait vote pour là, donc ils ont fait. Même gens tout. Il y a des collègues qui votent contre, pas parce que ils votent contre de manière totale, mais c'est parce que qualité débat, qualité séance là, ils pas de répondre du tout. En particulier, les collègues Bossé qui est fâché en pile. Et ils fâché parce que depuis 4 heures, ils citent annonce à la séance. Ils inscrivent pour demander la parole. Le bureau lui a refusé totalement la parole jusqu'au moment où ils décident de mettre fin à débat. Ou est pas de gain vraiment débat monde qui ka parler ou debout prendre 2 minutes à parler président en coupe la parole. Donc ça c'était tout élément qui justifiait que de notre tient discordante au niveau du groupe de 16. Après votre ça qui a venu G16 à lui-même? Non, nous sommes groupe de parlementaires, nous pas structuré en tant que bloc. Nous au contraire nous convoquer des séances de réunion le plus rapidement possible pour nous regarder. Est-ce qu'il y a lieu de conserver l'idée de groupe 16 ou bien est-ce que chacun va se retirer et à le faire, Mbakati, à l'entrée dans la logique de départ, à l'entrée dans le couple et travail avec lui. Donc, nous beaucoup là, mais moi, je ne pourrais pas gagner de différenciation, vrai. Nous conserver même relation, yo. Donc il suffit seulement que nous en rediscuter et reprendre les meilleures dispositions. Gon question d'incertitude la carampel moun notamment fréquenté route nationale numéro 2 au niveau de bicentenaire avec Matissan pour séance sénat de gain chance me suivre net mais pour chambre député c'est un petit parti là dans député pour question ça par les fêtes jodian la gon nouveau chef CSPN comment parlement aborder question ça avec premier ministre ou comment premier ministre t'a abordé question avec nous. Et effectivement, collègue de la troisième circonscription, collègue Printemps Bélizier, a soulevé question ça, puisque c'est un dossier qui concerne le premier chef. Et malheureusement, réponse Premier ministre n'est pas satisfaisante. Et Premier ministre a dit qu'il y a un problème, il y a un déficit que le gagnant. C'est parce que l'hypoco prend fonction, donc l'hypoco connaît
relation qu'elle a dégagé avec les membres dans CSPN là. Ça vient faire que jusqu'à aujourd'hui, c'est monsieur Lafontaine encore qui gagne autorité sur CSPN là. Donc lui-même, il dit c'est des mesures sécuritaires qui pas doué exposé au grand public. Il prendra toute disposition pour que il résout le problème ça dans meilleur délai avec concours toute unité dans la police là qui concerne pas question sécurité, pas avec aussi concours de monde dans la population. Hein. Donc nous prenons au mot et nous souhaitons effectivement qu'il est capable d'agir pour résoudre le problème ça dans meilleur moment. Parce que moi-même, on dit moi pointe vous ça très souvent puisque c'est vous qui menez la caille moi. Donc, il regarde les phénomènes d'insécurité qui ont été résolus là, personne ne peut pas épargner les lits. Donc, c'est seulement le bon Dieu bon qui permet que l'on passe ou pas affecté. Mais il faut gagner des dispositions qui établissent pas seulement pour cette zone, mais aussi pour, par exemple, zone à Cayenne. Dans tout pays à côté qui a un problème de sécurité, il y a besoin que il y ait des dispositions fortes qui prennent pour enrayer le phénomène là et permettre que la population ait avec l'inquiétude d'esprit. Mm-hmm. Après votre ça dans la chambre des députés, hein, quand même, nous connaissons attention vraiment en pile suite avec la réalité hein, par rapport à la réalité aux députés. Ou même comme député qui a une circonscription sous contour, qui attend tout et qui s'amoune au carton, yo même. Bon, moi, je souhaite que c'est un gouvernement qui n'est pas aussi sectariste que le gouvernement de M. Lafontaine. Moi, je crois aussi que le président de la République a repris le son de sa crivelle avec Lafontaine pour le mettre à la dimension d'un chef de l'État qui va comprendre que le fait que le monde dit la vérité en face et que le monde est un ennemi pour lui, je vais dire président de la République, il faut le connaître. Et notion yo en politique c'est pas ennemi nous sommes capables des opposants nous capables gagner des idées contraires mais faut que nous capables exister donc moi comprendre mal pour le président de la République lui couper un projet qu'a fait quand on collègue parce que collègue a dit non quand lui dit bon ça ne va pas discuter ça ne va pas et puis soit dans des réactions contraires qu'a fait contre donc moi faut que monde cap diriger au météo à la hauteur mais faut une dimension pour que vous connaissiez des responsables que vous avez, et action que vous allez poser, c'est pour le pays, c'est pas pour le monde qui n'a qu'un seulement. Donc, moi, je dois dire circonscription maintenant, et avec le gouvernement qui l'a, donc si vous n'avez pas in gouvernement, mais nous pouvons faire toute disposition pour que les actions importantes qui prennent à travers le pays et à travers circonscription. Nous-mêmes, yeah. comme députés, nous ne pouvons pas porter projet, nous ne pouvons pas demander de faire projet, mais il y a des projets d'ordre communal qui mairie, qui casse, qui a porté, nous avons tout le support et nous espérons, fois ça, par un ministre de planification qui pourrait être pris sur le APH, nous ne pouvons pas croire qu'on ministre qui pourrait être pris sur le APH, donc nous pouvons que l'action pour le poser pour l'ensemble du pays et que Grand Gouave aussi, comme tous les autres, toutes les autres communes du pays, capable de bénéficier des actions pour le faire dans le pays. Député, je m'en salue, pas in dans le gouvernement, mais pas out non plus. Moi, en observation, j'ai dit déjà, l'homme dit pas in dans le gouvernement, ça veut dire, la logique que tout ça, le gouvernement, pour le faire, il est bon. Pas out et le gouvernement, tout, pas parce que nous exprimons un vote d'abstention qui fait que nous pas à haut du gouvernement. Un vote d'abstention, il veut dire que si le gouvernement fait des actions positives, n'a pas appuyé, constatons si le gouvernement l'a marché de manière désordonnée, nous-mêmes n'avons pas de disposition pour nous dire que ça ne va pas. D'accord. Merci beaucoup, député Jean-Marcel Luméran. Les fêtes à matin ont été mises disponibles pour être capable de répondre à la question sur Radio Méga dans le journal Méga Matin. Merci encore. Bonne journée, bonne semaine et à la prochaine. Nous sommes contents de parler avec vous. Merci et bonne journée à tous les amis auditeurs Radio Méga qui sont venus le matin. C'est un plaisir pour nous de partager opinion sur l'évolution et l'actualité politique pays. Merci en pile. Voilà, invité nous matin, c'était député Grand Gouave Jean-Marcel Luméran et avec lui nous avons gardé ça qui a un rapport à la question vote premier ministre Jean-Henri Séan dans la chambre des députés qui finalement franchi dernière étape là avec 84 voix pour 54 abstentions et au Sénat de la République 21 pour 50 et des abstentions.
Et merci à tout le monde. Et rubrique ça a été ventré la canou grâce à qui pour toute équipe là. Et collaborateur nous Samuel Dori, mais t'as fait manœuvre technique en Haïti. Didier One One Chopam dans Miami. Des micros pour être capable de servir. C'était moi-même, serviteur pour Salomon. C'est de mes caps. C'est une très bonne journée. Une excellente semaine sur Antenne Radio Mega. Prochain rendez-vous avec moi, c'est pour la 11h. Pour émission son lari, entre temps, collaborateur nous yo, Blaise Peterson à Koumane, samedi, pour le rappeler quelques principales infos, yo te rivé traité dans l'édition journal, ça pour matin, hein. Et tout de suite après, pour le rencontrer équipe sportive, là, qui pourra le porter tout ça, qui gagne rapport à sport, la caillou. Merci encore tout le monde, bonne semaine, au revoir. Olapalais.com Olapalais.com